Donc nous avons le plaisir, je répète, donc, d'accueillir Jean-Pierre Coutron pour cette conférence intitulée « La société à l'hydrogène ». Donc cette conférence qui a été organisée par le groupe CRASP, un groupe de ressources de notre université, sur la technologie en particulier, aux substances psychoactives bien sûr, mais pas seulement, et qui a nécessairement une interaction avec la qualité de vie au travail. Donc nous savons tous à Lyon ce sujet de la qualité de vie au travail est un sujet d'importance qui est pris très au sérieux par notre établissement, en particulier à ce moment où nous sommes peut-être en perspective d'une grande mutation, comme vous le savez. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour faire un petit appel à tout le monde. Vous savez qu'un questionnaire sur la qualité de vie au travail a été mis en ligne pour l'ensemble des personnes de l'établissement, donc près de 5000 personnes, et que pour l'instant, nous avons un retour que de 500 formulaires remplis. Donc je demande à toutes et à tous de faire cet effort, de regarder ce questionnaire, de le remplir et de faire du prosélytisme auprès de vos collègues. Parce qu'effectivement, 10% ce n'est pas très important, parce qu'à la plus, il faudrait qu'on ait à peu près 30%, donc 1500 réponses pour que ce soit ensuite traité de façon statistiquement significative. Donc ça pour dire que cette préoccupation qu'a Lyon 1 de la qualité de vie au travail, la présence de M. Coutron cet après-midi avec nous, en est un témoignage de cette préoccupation. Donc je tenais tout d'abord, M. Coutron, à vous remercier au nom de la gouvernance de Lyon 1, très sincèrement, de prendre disponible pour cette conférence, qui va certainement nous conduire à modifier, adapter nos idées, nos comportements sur cette question. Alors je dirais que je ne pense pas qu'il soit nécessaire et qu'il soit pour le présomptueux de ma part de présenter Jean-Pierre Coutron, que nous connaissons tous au travers de ses nombreux ouvrages et de ses interventions dans la presse écrite, d'une part, et télévisuelle. Mais je m'autoriserai quand même simplement, on ne sait jamais, pour ceux qui débarquent aujourd'hui de notre planète, de vous présenter comme je crois que vous avez l'habitude de le faire en disant que vous êtes psychologue clinicien, c'est-à-dire thérapeute, et le deuxième intitulé est inscrit sur la fiche que vous êtes le président de la Fédération d'Addictologie. Donc vous allez vous faire cet après-midi partager plus d'une trentaine d'années d'expérience qui, si j'ai bien regardé, ont débuté à l'antenne du Centre de soins, accompagnement et présence en addictologie de Mantes, la JOMIP, pour rejoindre en 2014 la consultation des jeunes consommateurs du trait d'union de Boulogne-Billancourt. Donc, comme vous le savez, peut-être pas encore, cet après-midi est organisé en deux parties, bien sûr, tout d'abord la conférence de Jean-Pierre Coutron, puis un échange avec les participations, avec les participants, pardon, où je salue d'ailleurs cet après-midi, mais je suis désolé, je vais certainement en oublier, c'est toujours comme ça que ça se passe. Je salue cet après-midi tous ceux qui ont la préoccupation au quotidien de la qualité de vie au travail, les différents services du personnel, les médecins et paramédicaux de prévention du personnel et des étudiants, les référents en prévention, sans oublier bien sûr tous ceux qui œuvrent au quotidien dans le groupe CRASP, et bien évidemment nos assistantes sociales, qui sont les ordonnatrices de cette réunion. Donc il m'a été demandé de vous rappeler à toutes et à tous que vous avez la possibilité, pendant la conférence de M. Coutron, d'utiliser le petit bloc ici présent pour noter vos questions, rédiger vos questions sur la page bleue, la page blanche étant pour vos notes personnelles, donc la fiche bleue, qui sera ramassée en cours de séance, regroupée en groupe de questions. Ah, tu vas compter si, c'est pas ça. Ah, les deux personnes qui récupèrent les... Voilà. Ah, monsieur, très bien. Au fond de la salle, donc quand vous avez, si vous avez des questions qui vous, bien sûr, vous viennent pendant la conférence, de les rédiger sur la page de la fiche bleue. Elles seront regroupées ensuite, et comme ça, regroupées pour être proposées à monsieur Coutron dans la deuxième partie de sa conférence. Une fois de plus, merci. La parole est à vous. Merci. Alors, merci d'abord de l'invitation, merci de cette présentation. Un petit mot d'excuse, puisque j'aurais dû venir une première fois et que, après un suspense terrible dû à la grève de train, passera pas, arrivera, verra pas. Finalement, c'était plus raisonnable d'annuler. Et effectivement, je vais, du coup, ça sera en juillet. Je vais vous parler. Alors du coup, il y a un changement. Peut-être vous allez quitter la salle. Je ne suis plus président de la Fédération Addiction depuis le 5 juillet. Après 12 ans d'un long et
respectueux mandat, j'ai passé le relais. Donc voilà, vous allez avoir la première intervention de l'ex-président de la Fédération Addiction. Le reste ne change pas. Le reste, c'est effectivement, je suis de formation plutôt du côté psy. Hein, j'ai une formation au départ de psychologue clinicien. Et on va en parler avec cet exposé. Moi, j'arrive dans le champ des addictions, comme on dit, il y a effectivement une trentaine d'années. C'était très tranquille. À l'époque, la dictologie n'existait pas, donc j'étais juste un clinicien. Hein. Et une partie de ce que je vais vous présenter là, c'est aussi une partie de la réflexion qui s'est menée et à laquelle j'ai participé avec des collègues. Et vous allez voir qu'elle est alimentée par quelque chose dont on parle souvent en addictologie, mais qu'on ne prend pas toujours le temps de regarder. Elle est essentiellement alimentée par des travaux en sciences humaines. Voilà. Et ensuite, on arrivera sur les pratiques professionnelles. Mais il y a cette fameuse phrase d'Olivenstein que lui-même avait importée des États-Unis et qui maintenant circule, le produit, le contexte, la personne. Parfois, le contexte, on ne prend pas le temps de le regarder. Et là, on va prendre le temps de regarder le contexte. De mon point de vue, c'est d'autant plus intéressant que le contexte, c'est 30 ou 40 dernières années, il a quand même énormément changé. Voilà, dans le domaine des addictions, le contexte, c'est pas rien. Alors on m'a demandé de partager mon temps de façon équitable, et ça me va très bien en deux. Une heure un peu de conférence, de présentation, et puis avec donc ce système de questions, une heure d'échange avec vous et éventuellement avec les collègues qui organise cette conférence. Alors, il faut commencer par une définition. Hein, c'est toujours plus prudent de vérifier qu'on parle bien de la même chose. Alors, bien sûr, si on avait été dans un topo plus strictement sur l'addiction, je vous aurais balancé la diapositive tout à fait intéressante de ce qu'on appelle le DSM, hein, qui est la définition la plus médicale et la plus partagée, le DSM qui est fait par l'Association psychiatrique américaine. Là, je vous ai proposé trois définitions. Alors le PowerPoint, si vous voulez, je vous le ferai passer, hein, si ça vous détend et ça économise, voilà, non pas le bloc de papier, puisqu'il vous est de toute façon pas demandé de le restituer, mais si ça vous économise un peu vos mains et votre attention. Soit je le laisserai sur l'ordinateur, soit je le ferai passer aux organisateurs. Hein. Mais je vais vous faire la définition en trois temps. La première, qui est très connue, si certains d'entre vous ont une pratique de l'addicto, vous la connaissez, c'est celle de Goodman, bon, là, qui est un psychiatre américain, classique. Hein. C'est le processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir. Alors, c'est un mot qu'on retrouve souvent dans l'addiction, même si on n'aime pas trop le citer. Hein. Ce comportement procure du plaisir, de soulager un malaise intérieur. Bon, ça peut paraître plus mystérieux, il y a peut-être un effet de traduction. Et qui se caractérise, mais en tout cas c'est clair, hein, ça apporte du plaisir ou ça soulage une souffrance, une tension. Et ça se caractérise par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives. Voilà, ça c'est le noyau dur de la définition, hein, c'est la notion de perte de contrôle et qui nous amène à dire, voilà, on faisait ça peut-être pour de pas si mauvaises raisons au début, pour se donner un petit peu plus de plaisir ou un peu moins de douleur, et au moment où on devrait l'arrêter, parce que c'est inutile, eh bien on n'arrive plus à l'arrêter. Et au moment où on devrait l'arrêter parce que c'est dangereux, on n'arrive toujours pas à l'arrêter. Il y a cette notion de perte de contrôle qui est une notion très, très forte. Hein. Et en même temps, si vous y réfléchissez, qu'est-ce que c'est que le contrôle de soi? Qu'est-ce que c'est que garder le contrôle de soi? Est-ce qu'on perd le contrôle de soi que dans l'addiction? Est-ce que donner un coup de pied dans une porte ou balancer en travers de la pièce un objet
qui nous résiste, est-ce que ce n'est pas aussi de la perte de contrôle, hein? Donc là, c'est une perte de contrôle qui se répète, mais il y a cette histoire de perte de contrôle qui reste un peu mystérieuse, et vous verrez qu'on va s'en servir à un autre moment, parce que la construction du contrôle de soi, c'est un des enjeux de l'éducation. Alors, ce matin, j'étais dans le TGV. Ceux qui m'ont accueilli m'ont demandé si ça s'était bien passé. J'ai une réponse courtoise quand on vous demande si tout s'est bien passé. La règle étant de répondre oui. Puisqu'en plus, pour eux, ça s'était bien passé, puisque j'étais arrivé à l'heure. Sauf que le TGV en juillet, c'est terrible, il y a des enfants. C'est terrible, en plus, c'est les enfants des autres. Et même en première classe, c'est les petits des autres. Et alors là, il y en avait trois qui ont joué au ballon, dans le couloir, tout le trajet. Ah, de mon point de vue, ils n'avaient pas un bon niveau de contrôle d'eux-mêmes. Mais la notion de contrôle de soi est très subjective. Les mamans les regardaient avec un regard attendri, tout en évoquant le père, qui lui, n'étant pas présent dans le train, laissait faire. Je pense que si le père avait été là... Voilà, j'aime bien. Je vais vous réveiller, vous allez voir. La deuxième définition, c'est quelqu'un qui est peut-être moins connu, mais qui est un personnage extraordinaire, il s'appelle Claude Lemoine, il vient de prendre sa retraite, c'était le patron du laboratoire de neurosciences de l'Université de Bordeaux, un de nos plus grands scientifiques, hein, Michel Lemoine, pardon, un type extraordinaire, un grand amateur de plaisir épicurien, ce qui parfois pouvait surprendre vu le domaine qu'il faisait, le travail qu'il faisait. Et son laboratoire est celui qui s'apprête à déposer le brevet du futur médicament du cannabis. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode, mais c'est dans son laboratoire. Et Michel Lemoine, évidemment, est un grand spécialiste de l'épigénèse. C'est un de ceux qui a beaucoup réfléchi à la question de l'épigénèse au regard des addictions. Et sur un sujet en particulier, si vous, voilà, c'est quelqu'un, si ça vous intéresse, c'est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur le lien entre pauvreté et épigénèse et comment les conditions sociales de vie des personnes, petit à petit, venaient modifier leur système génétique et accentuer les inégalités de santé par le mécanisme de l'épigénèse. Alors, Michel Lemoyle, lui, il dit « Ok, la notion de perte de contrôle, ça me va très bien, je ne la touche pas ». Mais comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce qui fait qu'on perd le contrôle? Alors bien sûr, il y a la drogue, hein, mais est-ce que c'est suffisant de dire la drogue? Et il a réfléchi à une deuxième chose, et c'était son travail de généticien qui l'a amené, en disant voilà, c'est l'interaction entre deux paramètres, les vulnérabilités personnelles et la durée d'exposition. C'est cette interaction entre est-ce que je suis plus ou moins vulnérable, est-ce que je suis plus ou moins exposé, c'est ça qui va expliquer ce passage. Alors c'est le jackpot, hein, si ça marche. Si on arrivait à le quantifier, ce serait le jackpot, parce que c'est ça qui nous permettrait de savoir est-ce qu'on va rester dans un usage récréatif ou est-ce qu'on va passer, hein, là où la drogue est un plaisir parmi d'autres, où est-ce qu'on va passer à cet usage intensif où elle devient une des principales réponses, et on retrouve la définition de Goodman, hein, jusqu'à en perdre le contrôle. Voilà. Donc, le moelle, quand vous lui posiez la question tranquillement, il vous disait, voilà, c'est situé sur une île déserte et qu'il n'y a aucun objet d'addiction, parce que pour qu'il y ait addiction, il faut qu'il y ait objet ou comportement possible. C'est pas comme une dépression, c'est pas comme une autre maladie, c'est quelque chose qui a à voir avec une construction extérieure. Donc si tu es sur une île déserte et qu'il n'y a aucun objet d'addiction, mais que tu es vulnérable à l'addiction, mais tu ne le sauras jamais, tu ne deviendras pas addict. À l'inverse, si tu as un petit potentiel de vulnérabilité, mais que tu as la malchance d'être dans un univers, dans un contexte, dans un quartier, tu le prends du plus général au plus spécifique, où tu es surexposé au risque addictif, tu vas pouvoir, petit à petit,
rentrer dans un comportement addictif. Voilà. Donc, il s'amusait presque à le mécaniser comme ça, hein. C'est un peu plus subtil que ça, mais il assumait d'aller jusque-là, hein, et de dire... sur la fin de ces années professionnelles, on a vu quelques débats assez intéressants. Je vous serai amené à vous en reparler, mais sur une des addictions qui fait les plus débattre aujourd'hui, les addictions d'écran, hein, voilà. Moi, je suis comme vous d'une génération, j'évoquais ça à propos de la Coupe du Monde de football, où la télévision était à tube cathodique, elle était posée sur le meuble, le bahut familial, seul mon père avait le droit de l'allumer. Quand on l'allumait, à l'heure où ça commençait, il y avait la mire de l'ORTF, ben, ça vous dit quelque chose. Le feuilleton qui pouvait titiller nos pulsions, c'était Thierry Lafronde. Pour les plus anciens d'entre vous, respect. Hein, voilà. Au niveau pulsionnel, il fallait quand même aller chercher loin. Et de toute façon, ça s'arrêtait à minuit, 11h30. Voilà. Donc, être dépendant à cet objet, on pouvait être captivé par cet objet, mais être dépendant à cet objet était un truc relatif. L'expérience la plus intense dont j'ai souvenir de dépendance, c'était Belphégor. Sauf que si l'épisode nous avait captivés, il fallait attendre l'épisode d'après, qui était programmé le mois d'après. Ah, donc le mécanisme de dépendance était relativement maîtrisable. Vous voyez un petit peu, quand il dit exposition, c'est pas qu'une blague. Il rappelle que si on vous les met tout le temps sous le nez, c'est quand même plus difficile que si on vous les cache. Ah, hein. Et si on en invente des objets à l'infini, comme aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, c'est difficile de passer au travers parce que vous avez une série d'objets potentiellement d'addiction et ça donne cette espèce de, parfois, sentiment de délire qu'on a où on ne peut pas feuilleter un hebdo, un journal, sans qu'il y ait une nouvelle forme d'addiction. En fait, ce qu'on appelle nouvelle forme d'addiction, c'est un nouvel objet qui donne lieu à un nouveau scénario de perte de contrôle. Alors, il y a un troisième niveau qui se dit, mais bon, ok, c'est bien beau cette histoire de vulnérabilité et d'exposition. Ça nous demande deux choses. Hein. Ça va nous demander de travailler sur les vulnérabilités et ça va nous demander de travailler sur l'exposition. Hein. C'est un truc tout pragmatique. Mais le troisième étage de la définition, c'est de se dire, mais pourquoi on a ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? C'est une perte de contrôle. Comment c'est ce jeu entre les vulnérabilités qu'on apporte et le contexte social dans lequel on est? Le pourquoi? Alors le pourquoi, on le doit... c'est bien de la citer parce qu'elle a été, non pas pillée, mais elle a été quand même souvent utilisée. On a un peu oublié de la citer. C'est Brigitte Kiefer, qui est une de nos plus grandes spécialistes des circuits du cerveau, et simplement c'est une Strasbourgeoise d'origine, et elle est partie s'installer à Montréal, et elle enseigne elle dirige le service des neurosciences de McGill, ce qui fait, voilà, qu'on oublie un peu de la cité. Mais, et je vous le mélange avec une citation de Patrick Farrow, je ne sais pas si vous connaissez Patrick Farrow, qui est un philosophe des sciences, et qui a publié des bouquins extraordinaires. Son dernier bouquin, qui s'appelle « Le capitalisme addictif, vaut le déplacement », c'est un petit bouquin très court, très simple à lire, et ça, c'est une citation d'un livre précédent. Alors, si vous aimez en plus le cinéma, dans le capitalisme addictif, comme dans le livre précédent qui s'appelle « La belle vie », il s'est amusé à tout le faire en citant des séries télévisées ou des films, ainsi de suite. Donc, je suis une espèce de passionné de cinéma. Donc voilà, il a choisi ces exemples dans l'art cinématographique. Et donc, le mélange des deux, ça donne cette citation qui est de Farrow, mais qui utilise les travaux de Kiefer. Que faire de nos désirs de belle vie, de gloire et d'ivresse, issus du passé ancestral de l'espèce, lorsque le cerveau humain a été doté d'un circuit neurochimique de la récompense et du plaisir qui nous pousse à rechercher le sexe, l'attachement, les aventures, les jeux, la gloire, les substances psychoactives et toutes les intensités jouissives de l'existence. En gros, avec des scénarios plus ou moins partageables, plus ou moins honteux, plus ou moins dangereux, mais
nous avons besoin d'activer un circuit qui s'appelle le circuit de la récompense. Nous avons besoin de nous faire plaisir. Nous avons besoin d'appuyer sur cette petite pédale qui nous fait arriver ce plaisir-là. Et ça va donc nous faire aller de façon préférentielle vers des objets qui nous permettent d'activer ce circuit. Et on va remonter la chaîne de la définition. Si nous n'avons pas appris à contrôler ces objets, nous allons passer du moment plaisir au moment dépendance, au moment souffrance, au moment voilà. Mais ce besoin lui-même d'aller activer ce circuit, non seulement il n'est pas pathologique, mais il est même presque, voilà, il est celui aussi qui nous donne envie de réussir dans nos études, de gagner une compétition sportive, de vaincre l'adversité. C'est un, non seulement il n'est pas honteux, mais une part de lui produit ce que l'humain peut produire de mieux. Et on retrouve toujours ce qui est compliqué dans l'addiction, c'est que entre le très bien et le très mal, parfois l'écart, hein, c'est la fameuse notion de pharmacon. Voilà. Alors j'imagine que vous voyez un peu ce qui vous attend. Ce n'est jamais que la première diapo. C'est une vraie diapo de psy, puisqu'il n'y a que du texte. On a passé à peu près un quart d'heure sur cette diapo. Hein, vous avez été d'une patience quasi merveilleuse, ce qui prouve que votre système de contrôle soit est bon, soit il est sous contrôle, soit il y a une alliance avec d'autres phénomènes dus à la pause postprandiale et qui viennent me permettre de gérer. Mais bah, je vais quand même me décider à passer à la diapositive suivante, hein, mais j'aurais presque pu tout faire sur cette diapo, hein, c'est-à-dire que tout y est. Bah, bien sûr, l'addiction, c'est un phénomène biologique. Ça va chercher le circuit de la récompense. Et si un certain nombre de mes collègues addictos sont dans la salle, ils savent que ça va chercher beaucoup plus que le circuit de la récompense. Ça va chercher d'autres circuits qui aident qui sont en interaction avec lui. Bien sûr, c'est un dialogue aussi entre ce que je suis, mes vulnérabilités et mes compétences, et le monde dans lequel je suis, les objets que l'on me propose. Et bien sûr, à la fin, ça revient à une question simple. Est-ce que tu es capable de contrôler ton mécanisme ou est-ce que tu n'es pas capable de contrôler ton mécanisme? Hier, je terminais avec un garçon, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je n'aurai pas fumé du shit. Je dis, bah, bonne nouvelle, pourquoi? Il me dit, parce que je vais chez un tel, et chez un tel, on ne fume pas. Ah, je lui dis, écoute, je ne m'inquiète pas, je prends la bonne nouvelle, mais en termes d'avancer sur sortir de ton addiction, tu n'auras pas progressé, parce que ne pas le faire quand on n'a pas la possibilité de le faire, ça ne prouve pas que tu as amélioré ton système de contrôle. Il me regardait, qu'est-ce que vous voulez dire sur cette maladie des psys de compliquer les choses. Donc je lui rappelais qu'il serait sorti de son addiction quand, alors qu'il aurait la possibilité de le faire, il serait capable de ne pas le faire. Là, on s'est quitté sur un océan de rêverie. Il m'a rappelé qu'il y avait la finale dimanche et qu'il ne fallait quand même pas trop compliquer et mettre la barre trop haut. Voilà. Hein. Mais c'est des choses pragmatiques. Je sais pas vous, mais la consultation du lendemain de la fête de la musique, si vous recevez des adolescents, a un score de présence nettement moins bon. Ah, parce que c'est pas ce soir-là qu'il est le plus facile de tenir une posture d'abstinence. C'est des choses toutes bêtes. Alors, la diapositive d'après, c'est juste pour prendre acte. Hein, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc c'est extrait de cette revue américaine Brain, Environment and Policies qui montre que qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que expliquer la hausse de l'addiction dans les sociétés modernes suppose de regarder au-delà du cerveau l'environnement qui le forme et le modèle. Le défi mondial de la hausse de l'addiction reflète la manière dont les deux derniers siècles ont poussé la technologie à produire toujours plus de substances addictives. Alors, on peut le regarder comme ça, hein, et c'est déjà un vrai défi, c'est-à-dire qu'on peut se dire il y a quelque chose de complexe pour les professionnels qui veulent lutter contre l'addiction, c'est qu'on fabrique de plus en plus d'objets qui en déclenche. Vous êtes dans une université, mais vous savez que le ministre de l'Éducation nationale a pris une mesure, enfin réactivé une mesure qui avait été prise en 2010 pour interdire un certain type d'usage de portable dans les classes.
Bon, ça fait sourire les uns, s'agacer les autres, applaudir les troisièmes. C'est l'art du débat français, hein. D'autant plus qu'une partie de cette mesure avait été actée en 2010 précédemment. Mais voilà, on a inventé une série d'objets, tous les écrans, qui nous posent des problèmes en termes d'addiction, au point qu'on ait besoin de légiférer pour dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Hein. Et si vous regardez des hebdos ou des revues qui sortent en ce moment pour vous permettre de préparer vos vacances, on va vous inviter à déconnecter. Hein, alors, il y avait les régimes détox. Maintenant, il y a la déconnexion, ce qui est toujours extraordinaire. C'est-à-dire que ce que l'on fabrique, ensuite, on vous essaye de... Et l'art de la déconnexion consiste, quand on écoute certains collègues qui sont par ailleurs des amis, l'autre fois, je lui disais quand même, il faut qu'on fasse gaffe. Un jour, quelqu'un va nous dire, mais vous racontez n'importe quoi, puisque Laurent, ben, c'est Laurent Carilla, quand il dit il faut déconnecter, il dit passez-le en noir et blanc. Ah, ça vaut quand même le coup d'acheter un truc qui fait de la couleur pour le passer en noir et blanc. Coupez vos alertes, voilà. Allez si possible dans une zone blanche et ne le mettez pas près de vous. Donc en gros, je lui dis, écoute, fais gaffe, on n'est pas loin de dire pour déconnecter, jetez-le à la plage, quoi. Mettez-le dans la mer et puis vous en rachetez un après. Hein. Parce que sur le fond, s'il est au mieux de sa performance, l'appareil, on n'est pas sûr d'arriver à déconnecter. C'est ça que ça distingue. Cet appareil est tellement bien fait que si on le laisse marcher à plein régime, c'est lui qui risque de nous empêcher de déconnecter. Bon, après, les solutions sont là. Elles sont ce qu'elles sont, mais elles indiquent qu'on doute de notre système de contrôle. Et derrière cette citation, il y a une deuxième chose qui n'est pas mise là-dessus, sur laquelle je voulais vous inviter à réfléchir, qui est que peut-être, non seulement on crée de plus en plus d'objets d'addiction, mais on fabrique de moins en moins de systèmes d'autocontrôle. On sait peut-être de moins en moins s'éduquer ou se fabriquer à l'autocontrôle. Et c'est une vraie question qu'on peut poser au niveau, alors là pour le coup, de l'éducation. Est-ce que nous savons toujours éduquer nos enfants? Est-ce que nous savons les éduquer à la hauteur de ces objets? Et est-ce qu'on ne devrait pas commencer par repenser, non pas dire nos objets sont mauvais, il faut les jeter, mais vu les objets qu'on a, il faut peut-être faire évoluer et renforcer un certain nombre. Et c'est toutes les discussions que vous avez en ce moment avec des gens comme Tisseron, un certain nombre de collègues qui disent il faut leur donner les objets progressivement, il faut leur apprendre une progressivité de la prise en main. Ce n'est pas l'objet qui est dangereux, mais cet objet a de telles capacités qu'il faut être moins naïf et pas laisser la rencontre se faire tout seul, il faut l'accompagner. Voilà, hein, on a fait un colloque cette année, la Fédération Addiction. J'ai terminé mon colloque ma présidence par un colloque à la Cité des Sciences qui s'appelait sur l'homme augmenté. Hein, et en disant, attention, parfois on voit un piège dans certaines familles, c'est-à-dire qu'on demande aux objets, dès l'enfance, de capter l'attention de l'enfant, entre guillemets, pour le rendre sage, et de l'autre côté, de le surveiller. Pour pas qu'il fasse des bêtises. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment, on lui demande à lui-même d'apprendre à occuper son attention ou d'apprendre lui-même à ne pas faire un certain nombre de bêtises. On va le mettre sous des caméras de surveillance qui alarment et qui font que les parents déboulent dès qu'il fait quelque chose, ou on va le mettre devant un écran qui fait qu'il n'appellera pas les parents parce qu'il sera captivé par l'écran. Et ensuite, on vous l'amène à 15-16 ans en disant, regardez, il ne sait pas couper ses écrans. Vous dites, ouais, c'est sûr qu'il ne s'est pas coupé ses écrans, mais il y a de quoi. Il a été entièrement plongé dans un bain d'interaction avec les écrans. Vous voyez, donc, alors, vous inquiétez pas, je vois mes deux, trois correspondantes, hein, il a oublié la commande, il s'éloigne des drogues qu'on lui a demandé d'aborder, c'est juste pour les stresser un peu, il faut que chacun souffre un peu pendant l'après-midi. Mais, voilà, cet exemple des nouvelles drogues, et de ce qu'on appelle les nouvelles addictions, hein, avec les écrans, permet de voir que, oui, il y a l'objet, mais il y a aussi la compétence que l'on se fabrique ou pas, collectivement et individuellement, pour gérer cet objet. Hein, quelles compétences on a pour gérer cet objet. Donc si on continue à avancer là-dessus, on va arriver sur une troisième grande idée que je voulais vous donner. Donc la première, c'était la définition. La deuxième, c'était de dire, bien sûr,
Cette invention d'objets participe de ce qu'on appelle l'extension du domaine des addictions, mais au-delà de ça, il y a une sorte, et on y reviendra, hein, il y a une sorte d'affaiblissement de la fabrication du système d'autocontrôle sur lequel il faut peut-être qu'on réfléchisse. La troisième idée, c'est globalement, comment on les rencontre, ces objets d'addiction ? Alors là, s'il y a des personnes qui ont un peu une culture anthropo-historique et tout, elles vont me dire que c'est un peu léger, mais vous m'excuserez vu l'heure. Hein. Donc je vous l'ai fait en quatre grandes périodes de vie, c'est un peu rapide comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut repérer comme étant les quatre grands systèmes qui nous ont permis de rencontrer les addictions ? Le premier, c'est historique. Ouais, avant de venir, là, j'avais un journaliste, Marie-Claire, pour ça je me méfie, je faisais allusion aux journaux que vous allez lire sur la plage, qui m'interrogeait sur les problèmes de tabac. Vu les questions qu'il m'a posées et les réponses qu'il essayait de me faire faire, je suis moyennement confiant sur la qualité de l'article. Mais à un moment, je lui dis, écoutez, le tabac, les premiers trucs du tabac les plus anciennes, c'est le chaman. Hein. C'est la fumée du chaman, sauf que le chaman, il fumait tout seul. Il fumait pour les autres. Hein. Et au-delà, avec son expérience à lui, il transmettait un certain nombre de choses à la tribu. Donc on a une première époque qui était les rites sacrés. Hein. C'était le but de prendre cette substance qui, effectivement, joue sur le cerveau. Hein, c'était d'éveiller l'esprit et de mieux communiquer avec les ancêtres. Bon, ça peut vous paraître loin. Moi, je suis d'une génération où on a lu Castaneda et j'avais quelques copains qui partaient manger des champignons hallucinogènes dans les grottes de la région parisienne et qui attendaient de voir si la communion se faisait avec les esprits. Bon, la communion ne se faisait pas trop avec les esprits. Le champignon hallucinogène ramassé dans la forêt de Marly à des... Voilà, hein. Ou acheté sur un marché pseudo-parallèle, avait des compétences assez faibles, mais avec un petit peu d'effet placebo et une grande part de motivation, on pouvait avoir l'impression. Il y a un certain nombre des jeunes qui se sont livrés à ces expériences hallucinogènes, qu'on a récupérées dans des hôpitaux psychiatriques, parce que quand ils tombaient sur la vraie substance hallucinogène et qu'ils n'avaient pas le rite et l'expérience qui permettaient de contrôler, ils n'avaient que l'expérience psychiatrique. Ah, hein, et donc, c'est toujours la même chose. Hein. Il y avait une construction sociale, une construction culturelle qui permettait de prendre cette substance qui avait un certain nombre d'effets, mais de la prendre dans un cadre qui garantissait l'effet qu'on voulait rechercher et qui écartait l'effet le plus dangereux. Et encore une fois, tout le monde ne consommait pas l'hallucinogène ou le tabac autre. Seul le chaman qui lui avait été formé le faisait. Cette tradition n'a pas complètement disparu, mais a quand même, elle s'est petit à petit effacée, et elle a laissé place à quelque chose que vous connaissez, sur lequel on est très présent encore aujourd'hui, hein, et c'est très fort, qui sont les religions du livre, hein, et qui, elles, ont posé les rituels et les interdits au nom de ce que ces religions du livre ont structuré, du bien et du mal. Hein. Donc vous savez que selon les religions, l'alcool est interdit, l'alcool est autorisé, le jeu de hasard est interdit, le jeu de hasard est autorisé. Voilà, on a vu se construire, hein, à l'intérieur des grandes religions, des interdits, des tabous, hein, qui permettaient d'aller vers le produit ou qui interdisaient tel et tel produit. Et d'une certaine façon, on le paye encore aujourd'hui, hein, puisque c'est vraiment... un moment où la drogue va attraper cette histoire d'une vision très morale, hein, le bien et le mal. Voilà, elle est du côté du mal ou elle est du côté du bien, c'est le sang du Christ ou au contraire, c'est l'objet de transgression absolue qu'il faut éliminer. Donc on est sur des interdits forts et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une des discussions qu'on peut avoir quand on analyse des évolutions de consommation. Quel est, avec le retour du débat autour de la place des religions, quel est le rôle de tel ou tel phénomène religieux dans la disparition ou la baisse de telle consommation, ou au contraire, l'augmentation de telle autre consommation. Donc, pour le dire clairement, par exemple, est-ce que la moindre consommation d'alcool dans un public, on peut le créditer autant au fait qu'il se retrouve dans la culture musulmane qui était celle de leurs parents, hein,
qu'au fait qu'ils ont intégré les messages de santé sur la dangerosité de l'alcool. Voilà, hein. La consommation d'un certain nombre de produits psychoactifs dans d'autres sociétés fait que traditionnellement, ces produits étaient toujours présents. Donc on a ce problème-là, on a cette... Et puis, pour faire vite, on arrive à l'époque des Lumières, la science... Hein. On va s'intéresser non plus à est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mal, mais à est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est inutile. Et donc on va rentrer dans les classifications médicales. Les classifications médicales vont garder comme médicaments les drogues utiles par rapport à des effets validés et vont rejeter comme étant illicites et non médicaments des drogues inutiles. Alors, elles essayent de le faire de façon tranchée, et c'est toujours plus compliqué. Regardez le débat, il y a deux grands débats qu'on a aujourd'hui qui illustrent ça, le débat sur le cannabis médical ou pas, versus le cannabis thérapeutique versus le cannabis récréatif. Hein. La ministre de la Santé régulièrement essaye de faire une déclaration où elle dit ce qu'elle veut faire, mais à chaque fois, elle se prend un peu les pieds dans le tapis, les gens sourient, se moquent d'elle, mais parce que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il serait étonnant que le cannabis soit une substance qui n'ait aucun effet thérapeutique. Ah. La question était, est-ce que les effets thérapeutiques du cannabis peuvent remplacer d'autres substances qui ont des effets thérapeutiques, apporter un service supplémentaire, et sous quelle forme? Parce que si on apprend aux gens à ne plus fumer, et c'était la déclaration qu'elle a faite avant-hier ou hier, je crois, à RMC, où elle se piège en disant « Je ne suis pas contre, s'ils ont besoin de cigarettes, on va leur faire fumer des cigarettes de cannabis. » Tous ceux qui se militaient pour arrêter, mais comment peut-on dire « Fumer du cannabis, faut pas, nanana. » Voilà. Autre sujet, ce qui se passe avec l'épidémie d'opiacés et de décès d'opiacés en Amérique du Nord. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi cette actualité qui est moins franco-française, mais il y a en ce moment une épidémie d'overdose aux États-Unis où les décès sont absolument impressionnants, hein, puisque je crois qu'aujourd'hui, on meurt plus d'overdose dans le nord des États-Unis qu'il n'avait de mort au moment de la guerre du Vietnam et qu'ils n'ont eu de mort au moment de l'épidémie du sida. C'est-à-dire les deux, trois grandes épidémies qu'ils avaient pour comparer sont blackboulées par cet événement. Hein. Une partie de la lecture de cet événement, c'est qu'ils ont mis sur le marché de façon un peu trop laxiste un opiacé pour lutter contre la douleur, la souffrance. Mais sans trop expliquer que lutter contre une douleur musculaire ou une douleur physique par un opiacé, ça s'encadre un peu, parce que si derrière, il y a une souffrance sociale et il y a une douleur morale, on perd facilement le contrôle de l'opiacé. Ah. Et en gros, on leur a quand même vendu un médicament contre une douleur physique qui a été prescrit larga manu face à des publics qui avaient autant une douleur sociale qu'une douleur morale, et une partie de l'épidémie est due à ça. Et maintenant, pour revenir en arrière, eh ben, c'est hyper compliqué. Refermer le robinet se révèle beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imaginait. Donc vous voyez, l'arrivée de la médecine, hein, on peut se dire, là on va être assuré, on va pouvoir bien séparer l'efficace de l'inefficace, c'est plus compliqué que ça, hein, et il y a des médicaments qui vont d'un côté à l'autre. En France, un des médicaments donnés pour gérer la dépendance aux opiacés, c'est un médicament qui avait été classé comme étant une drogue illicite. La méthadone a longtemps été classée comme une drogue illicite, et la buprénorphine au début, c'était considéré comme un mésusage de buprénorphine, et les médecins qui la prescrivaient ont même été sanctionnés par le Conseil de l'Ordre, hein, jusqu'au moment où on a dit, ben, on va changer la galénique, on va changer la présentation, et on va en faire un médicament. Donc on a cette période-là, hein, la médecine, avec son critère, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour la santé. Critère aussi qui évolue au fur et à mesure que la science s'améliore, hein, parce que on en sourit beaucoup, mais les témoignages sur les vertus du vin, signés par les plus grands médecins, il y a la fameuse phrase de Pasteur, on lui fait payer à vie cette déclaration sur le vin qui tue les microbes, malheureux, bon voilà. Mais il y a éternellement dans les tiroirs de l'histoire des propos qui sont très vite rendus caducs par 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, ainsi de suite. C'est
un appel à la grande prudence, méfions-nous de certaines déclarations qui peuvent ensuite nous suivre. Voilà, hein, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux qu'on peut se faire piéger. Et puis aujourd'hui, on voit un quatrième régime de régulation, qui est un régime tout à fait intéressant, c'est le régime politique et économique. Aujourd'hui, si vous écoutez le débat sur les addictions, vous entendez quand même de plus en plus dire, mais de toute façon, c'est l'économie qui l'emporte. Voilà. Il faut lutter contre l'alcool, mais il ne faut pas casser la filière économique que représente le marché de l'alcool. Oui, d'accord, les écrans, mais vous n'allez quand même pas empêcher de vendre prenez conscience de ce que représente le marché des écrans aujourd'hui. Et puis, de toute façon, si vous n'en prenez pas conscience, essayez de vous dire avec vos petits bras, moi, je vais arrêter la diffusion des écrans, vous allez voir ce que vous allez avoir en face de vous. Hein. Sur le tabac, on sait à quel point les grands acteurs économiques du tabac ont pu, pendant 20 ou 30 ans, faire en sorte que les informations sur le risque cancérigène du tabac ne se diffusent pas comme il aurait dû se diffuser. Et qu'ils ont usé de leur influence, y compris dans des stratégies de lobbying, tout puissant. Donc on a aujourd'hui un système de régulation où l'économie pèse fort, hein, à tel point qu'un certain nombre d'acteurs disent qu'il serait plus simple d'arrêter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et de considérer toutes les drogues comme des marchandises et de réfléchir aux drogues comme des marchandises et de voir du coup quel serait le meilleur système de circulation des drogues en tant que marchandises et peut-être de dire après tout, puisque ce sont des marchandises qui ont un certain nombre de risques, on devrait plutôt les gérer comme ça que de les laisser passer par des régimes parallèles ou des mafias ou ainsi de suite pour les drogues illicites et de l'autre côté de ne pas oser être plus sévère avec les drogues licites. Donc cette idée d'une régulation. Alors aujourd'hui, dans un même pays, on peut avoir les quatre systèmes de régulation qui cohabitent. Vous avez des personnes, même s'il n'y en a pas beaucoup, qui continuent d'être plutôt dans l'expérience, hein, la vieille tradition du chaman. Bon, c'est pas le plus répandu, mais dans des groupes de jeunes, dans une certaine culture festive, dans ces jeunes qui prennent la route, ainsi de suite, ou des personnes qui sont dans des modes de socialisation. Vous avez encore des personnes qui sont plutôt sur ce mode d'usage. Vous avez beaucoup de personnes qui continuent de se référer aux drogues par rapport au bien et au mal, alors soit directement dans le système religieux, soit indirectement. Un autre exemple qu'on peut donner, qui est très net, j'avais assisté à la remise de Légion d'honneur de Marc Valeur. On est à Bercy, le ministre à l'époque c'était Barouin. Barouin arrive, monte sur la tribune, Marc Valeur monte à côté, et premier discours. Les valeurs qui étaient en forme dit « Monsieur le ministre, je suis là parce que Dieu ne fait plus son travail. » Alors, moment d'étonnement de Barouin qui s'attendait à un discours un peu classique. Oui, si la punition divine continuait de s'appliquer aux joueurs, il y en aurait beaucoup moins. Mais vous, monsieur le ministre, vous avez autorisé à ouvrir des casinos, du jeu en ligne, puisqu'il venait d'être libéralisé. Donc, du coup, au contraire, vous m'avez fabriqué de la clientèle. Ah, et la rencontre entre les deux était extraordinaire, parce que Barouin est passé le moment de surprise à reformuler son discours. Mais voilà, aujourd'hui, tout le monde va parier sur la finale, ainsi de suite, et les jeux d'argent, non seulement ne sont plus condamnés par une certaine morale, mais sont même autorisés. Et vous savez qu'on va bientôt privatiser la Française des Jeux en partie et perdre un certain moyen de contrôle qu'on avait. En tout cas, c'est une crainte qu'on ait quelques-uns à avoir. Voilà. Donc on a ces quatre systèmes qui cohabitent. On a toujours le débat sur le cannabis thérapeutique le montre. Hein. Et du coup, quelles conséquences on va avoir en termes de régulation? C'est un peu ça qu'on a. Alors, je ne sais pas si vous voyez la photo. On a un peu tous les groupes. Voilà. Alors, en haut à gauche, vous avez ceux qui étaient considérés, je pense que ça va disparaître, mais ceux qui étaient considérés comme les ennemis, c'était les hippies et mai 68. Bon. Dans les histoires de chasse, c'est mai 68 et les hippies qui auraient fait rentrer la drogue en France. Puisque l'alcool et le tabac, dans ce récit-là, n'étant pas de la drogue, voilà, on vise le cannabis. Bon, les hippies n'ont pas fait rentrer grand-chose, ils n'ont pas fait sortir grand-chose non plus. On ne va pas faire une critique aujourd'hui de ce phénomène-là, mais sur l'histoire des drogues, ça a été plus un épiphénomène que quelque chose d'important. Ça a été un révélateur.
de la fin d'un système de contrôle. Ça, ça a été le révélateur de la fin d'un système de contrôle. Ça a marqué la fin d'une époque. À côté, vous ne les voyez pas parce que les hippies sont colorés, alors que dans la mythologie, les jeunes rêveurs d'aujourd'hui, ceux qui sont dans la boue, sont dans le vert, ils ont toujours des tenues militaires, hein, ils sont près de murs de son. Alors bon, si on éteignait, vous verriez que derrière, c'est les murs de son, mais voilà, c'est ces fameux jeunes rêveurs qui ont succédé, hein, et qui vont au fin fond des forêts se coller l'oreille à des trucs de son très fort en prenant des drogues chimiques, alors que le hippie était censé prendre du naturel, le fameux cannabis. Hein. Bon, alors je pousse un peu la caricature, mais vous trouvez encore régulièrement des articles là-dessus, hein, avec ces nouvelles drogues qui circulent. Vous avez le surfeur. Alors, ça, c'est un petit hommage à un certain nombre de mes patients. Il y en a un, là, ce matin, avant de sauter dans le train, j'ai vu sa maman. Il part faire 15 jours de stage surf à Saint-Jean-de-Luz. Elle ne se fait pas beaucoup d'illusions sur le surf, sport à glisse. Hein, et il y a une espèce d'association pour beaucoup de jeunes entre les sensations d'un certain nombre de ces sports et des substances qui viennent démultiplier ou aider. Voilà. Là encore, méfiez-vous des caricatures, mais en même temps, ne nions pas, hein, des appariements culturels. Voilà, on a une certaine façon de prendre son plaisir, d'être dans le temps, d'être dans une intensité. Et puis, là, à droite, vous aurez peut-être dimanche soir, hein, les grands rassemblements populaires, rarement abstinents, soyons clairs, hein, c'est-à-dire que soit il faut fêter la victoire, soit il faut oublier la défaite, mais généralement ça se fait avec un objet dans la main, hein, et l'objet là est soit liquide, soit à fumer. Et puis au milieu, vous avez la convivialité. Le repas, la convivialité, et quelque chose qui est inattaquable, le président de la République ayant même, dans une déclaration célèbre récemment, rappelé que ça faisait partie d'un art de vivre. Alors vous imaginez, selon les régions et selon les professions des uns et des autres, comment cette phrase a été entendue. Si vous vous amusez, vous tapez la phrase et vous voyez les commentaires sur Google. Il y en a un qui ont ouvert le brasier pour le brûler, d'autres qui disent « enfin, la vérité est révélée ». C'est extraordinaire de notre ambiguïté, toujours pareil, hein, sur les addictions. Si on pouvait, là encore, rouvrir la machine à séparer le bien du mal. Mais dans les addictions, c'est toujours très compliqué. On a un peu tout ça. Hein. Et aujourd'hui, si on essaye de terminer cette première partie par quelque chose d'objectif, ce que l'on sait, c'est que la majorité des addicts ne sont plus des marginaux dans une contre-culture, mais sont au contraire des personnes parfaitement intégrées. La majorité des personnes qui ont des comportements considérés comme addictifs travaillent dans tous les métiers, c'est plus uniquement les métiers de force, ainsi de suite, mais c'est aussi les métiers intellectuels ou pas. Ce qui a changé, ce qui s'est diversifié, c'est les modes de consommation et les rythmes. Ceux qui ont des métiers intellectuels vont, par exemple, ne pas consommer dans la semaine pour tenir le niveau de concentration dont ils ont besoin, et vont être ceux qui vont être dans les fameux week-ends où on relâche. Hein. Donc on va avoir aujourd'hui, et on a aujourd'hui, un lien entre l'addiction et le monde professionnel, le monde du travail, qui est devenu quasiment presque complémentaire. Hein, dans cette grande diversification des objets d'addiction, c'est devenu quelque chose qui nous permet de tenir le travail, de relâcher en fin de journée, de se détendre le week-end, d'avoir des grands moments de convivialité collectif. C'est devenu une multiplication des scénarios plutôt qu'un scénario ou deux scénarios à peu près uniques. Est-ce que vous voyez un petit peu la grande évolution? Moi, j'aime bien donner comme exemple qui est l'hôpital Marmottan, le fameux hôpital Marmottan, hein, qui a ouvert pour les marginaux, celui de Claude Olivenstein, reçoit aujourd'hui une clientèle qui, de façon massive, vient du quartier de la Défense, et c'est Michel Hautefeuille qui publie régulièrement ses travaux sur les addictions et le monde du travail, hein, et la prise de drogue, non plus comme étant une conduite marginale, mais comme étant une conduite d'adaptation. Alors, cette synthétique introduction étant terminée,
la première demi-heure étant passée, nous allons arriver à ce qu'on appelle la société addictogène. Ne vous inquiétez pas, ça va me permettre de la faire à la fois plus en détail et plus vite. Hein. Mais, voilà, parce que, qu'est-ce que ça veut dire la société addictogène? Ça veut dire que si on prend le temps de se poser sur ce contexte, si on prend le temps d'aller au-delà de ce que je vous ai dit dans l'introduction, dans la définition et dans les modes de contrôle qu'on a pu voir, on s'est rendu compte petit à petit que l'on avait, alors là, si ça vous intéresse, je vous renverrai à des livres ou à des écrits que j'ai faits où il y a toute la bibliographie, c'est impressionnant, on s'est rendu compte, grâce à un certain nombre de collègues qui travaillent pas du tout au départ dans le domaine des addictions, mais qu'on a quatre grandes évolutions sociétales qui ont ouvert la porte, encore plus ouvert la porte, au comportement addictif. Alors, je me permets, moi je vous l'ai dit, je suis soignant, je travaille avec des personnes avec qui il faut trouver une solution dans les 3 mois, 3 semaines ou 3 jours qui suivent. Il n'empêche que faire le temps de regarder d'où ça vient, ça reste essentiel pour moi. Voilà. Ça ne m'empêche pas de savoir que je n'aurai pas le temps de changer la société dans les 3 jours qui restent avant qu'il passe son truc ou son machin. Mais comprendre quelle est la tendance actuelle qui fabrique en arrière-plan des addictions reste quelque chose d'excessivement important, y compris parce que quand même, après, ça permet de repenser des conditions d'organisation, ça permet de repenser des conditions d'éducation, ça permet de repenser des conditions de travail, ça permet de repenser l'accompagnement de la personne hein, pour que ce qu'elle va démonter reste démonté le plus longtemps possible. Alors, quels sont ces 4 paramètres? Le premier, c'est la mutation des institutions et des rituels sociaux et communautaires. Alors, derrière cette phrase un peu compliquée, rappelons-nous que tout ça, c'est ce qui va faire ce qu'on appelle le lien social, et c'est ce qui va lui donner un sens, et c'est ce qui va réguler nos comportements individuels, y compris nos comportements de consommation. Nos façons de consommer sont intégrées à l'environnement dans lequel on vit. Hein, et l'évolution des environnements dans lesquels on est change énormément. Je vais vous donner des exemples. Alors là, on va faire dans le trivial. D'abord, sur ce changement-là, le changement de à ce niveau-là, il y a 3-4 points qu'on peut attraper. Le premier, c'est celui de l'individu et de son appartenance. On est dans une société, vous le savez, qui privilégie la personne sur le groupe. L'individu est jugé plus important que le groupe. Et cette espèce de déconstruction de l'appartenance, on va la retrouver du plus général au plus spécifique. Ah, je donne un exemple, j'aime bien, moi je l'ai vécu. Je pars d'une ville du sud-ouest qui s'appelle Toulouse, dans les années 70. Alors, autant vous dire que je suis un garçon, je joue au rugby, j'ai un rapport à la consommation d'un garçon de cet âge-là, qui joue au rugby à Toulouse, dans les années 70. Voilà. Donc, il est normal de courir sur un terrain pour ça se mettre en forme, mais il est normal, dès qu'on a fini de courir sur le terrain, de consommer un certain nombre de substances pour annuler l'éventuel bénéfice qu'on aurait eu en termes de mise en forme, de façon à retrouver la motivation pour y retourner la semaine d'après. Sinon, pourquoi y retournerait-on? Voilà, je caricature un peu, mais quand j'y repense, c'était quand même absurde de se faire chier, entre guillemets, à s'entraîner ce nombre d'heures pour ensuite, en une ou deux soirées, se les flinguer avec les entraîneurs. Hein, avec les personnes qui étaient censées nous accompagner dans ce sport, qui n'avait pas là-dessus une grande culpabilité. La deuxième caractéristique de Toulouse, c'est tant qu'à faire la fête, autant la faire dehors. Donc on se retrouvait sur les mailles, sous les platanes, voilà. Et j'espère ne vexer personne, généralement c'est toujours une expérience, je suis très prudent. Pour des raisons familiales, je suis mes parents dans une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand. Ça va? Pas trop de drames visibles. Dans les années 70-75, Clermont-Ferrand, c'est encore la ville de Michelin, François Michelin. Les usines s'appellent Michelin. Les écoles s'appellent Michelin.
Le stade, c'est Marcel Michelin. Le boulevard qu'on habite, c'est Édouard Michelin. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, il est inutile de lui demander où il travaille. Il vous répondrait Michelin. Voilà. Et en gros, chez Michelin, on bosse. On ne fait pas la fête. Je ne sais pas si vous connaissiez ce paradoxe. Michelin édite un guide, le guide Michelin. Quelle était la ville qui, pendant des années, n'avait même pas un seul resto étoilé? C'était Clermont-Ferrand. Parce que quand on est chez Michelin, on reste chez soi le soir et on bosse. On ne sort pas. On ne fait pas la fête. Personne ne se révolte. Parce que j'ai des arguments pour vous le prouver. Je l'ai vécu. Et je suis rentré dans une dépression de la préadolescence en me disant, mais pourquoi m'a-t-on amené sur cette île déserte? En termes d'exposition au risque, brutalement, c'était le sevrage culturel. Mes habitudes de vie me faisaient passer pour un dangereux psychopathe. Mes camarades me regardaient en disant, on te laisse faire ça chez toi? Je disais, ouais, mais des fois je le faisais avec mon père. Ah bon? Non, mais vous souriez, hein? Et pourtant, mon père n'était pas un guéluron. Fin de l'auto-analyse. Voilà. Attention, parce que voilà, tous ces phénomènes-là ont été, en 20-30 ans, bousculés. Un autre exemple qu'on peut donner, il y a un livre très intéressant de Le Goff, qui est un sociologue, qui a travaillé un gros bouquin qui s'appelle Le Village. Il décrit un village de la banlieue d'Aix-en-Provence. Pareil, il y a des ayants droit dans la salle. Non, ça va? Alors c'est joli Aix-en-Provence, je ne dirais pas la même chose que Clermont-Ferrand. Il faut savoir qu'à Clermont-Ferrand, il y a une série d'addictologues qui sont des bons copains, qui sont très... c'est pour ça que je me méfie, parce qu'au départ, je ne savais pas qu'ils étaient de Clermont-Ferrand, et la première fois que je vous l'ai dit, et puis vous êtes maintenant dans la même région, donc vous pourriez avoir des ayants droit, donc c'est fini maintenant, l'Auvergne d'un côté et Rhône-Alpes de l'autre côté, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Mais Aix-en-Provence, voilà, Aix-en-Provence, il étudie ce petit village qui était collé à la ville. Ce petit village a perdu toute son identité et est devenu une cité dortoir. Dans une cité dortoir, les consommations des jeunes ne sont plus du tout régulées de la même façon que dans un village où il y avait des interactions entre des habitants qui partageaient les mêmes modes de vie. Et on peut décliner ça à l'infini. On est passé de modes de régulation des comportements à d'autres modes de régulation. Et on est passé à un dernier problème qui est que, au niveau de l'appartenance, on est rentré dans une société de la mondialisation, ce qui fait qu'en plus, quand vous rentrez maintenant dans un supermarché, vous avez tous les alcools. Vous n'avez pas que l'alcool local, mais vous avez la vodka, mais vous avez l'aquavit, mais vous avez... Vous pouvez avoir tous les produits. Donc on a une sorte de paradoxe dans cette société qui est que les systèmes d'appartenance qui nous contenaient, alors qui nous initiaient à certaines drogues, mais qui nous contenaient dans leur consommation, se sont estompés et on est face à une espèce de démultiplication commerciale de l'offre parce que le système qui s'est imposé, c'est le système de la circulation de la marchandise. Il faut laisser les marchandises circuler, c'est la grande phrase. Et quand vous laissez les marchandises circuler, vous dérégulez un certain nombre de contrôles au profit de cette circulation. Donc on a ce premier problème avec la disparition des appartenances traditionnelles. Alors on en a beaucoup discuté avec quelqu'un comme Alain Ehrenberg, qui a beaucoup travaillé là-dessus, en disant il ne faut pas le voir comme une nostalgie, mais il faut voir comme un changement de façon d'être. Et du coup, il faudrait que dans notre éducation, on soit un peu plus pointu là-dessus, parce qu'effectivement, l'appartenance naturelle n'est plus ce qu'elle était. Et vous allez entendre dimanche soir, si jamais on gagne, vous allez avoir cette catastrophe que pendant quelques heures, on va nous dire que nous appartenons à nouveau à une grande nation, qu'on est tous frères, et on va confondre un sentiment d'exaltation ponctuelle avec une appartenance ancrée sur un certain nombre de choses solides. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les addictions, l'appartenance est un mode d'entrée très fort. Quand vous ne savez pas à quoi appartenir au groupe de ceux qui fument, qui ont osé le faire, appartenir au groupe de ceux qui boivent et à la socialité que ça apporte, appartenir pour d'autres jeunes au groupe de ceux qui jouent à tel jeu, à qui sont dans tel guide et tout, quand vous pouvez regarder
tout un tas d'histoires dans les addictions par « enfin j'appartiens à quelque chose ». Je suis intégré à ce groupe, je fais partie de cette communauté-là. Vous voyez un petit peu la première porte d'entrée. Or, cette porte, on l'a ouverte de façon très spectaculaire. La deuxième porte qu'on a ouverte de façon encore plus spectaculaire, c'est tout ce qui a à voir avec la fête. Alors, une société, une culture de l'intensité, une culture de l'excès, une culture de l'accès immédiat à l'objet du désir. Voilà, Olive Einstein disait « la drogue, c'est tout tout de suite. Aujourd'hui, tout de suite, c'est nos technologies. C'est nos technologies qui nous permettent d'avoir tout de suite. On est tous connectés. On veut avoir dans l'instant. » Alors là, je vais vous le faire à la serpe pour respecter l'horaire, et puis parce que c'est plus drôle de le faire à la serpe. Mais voilà, regardez Mission Impossible pour les plus de 50 ans. Le vieux Mission Impossible, vous savez, le moment où il s'assoit, il est sur son canapé californien des années 50, il prend, sous des transparents, vous savez, les transparents, il prend les visages des héros, il reconstitue toujours la même troupe, et puis, voilà, il va faire la mission qu'un petit magnétophone qui nous paraissait extraordinaire, qui s'auto-détruit à la fin du message, lui donne comme mission dans une cabine en disant « si vous acceptez la mission, nanana, nanana ». Après, il monte dans une belle voiture américaine. Bon. Regardez ça avec un adolescent. Vous l'invitez à s'asseoir à côté de vous, dans le canapé. Alors, il peut regarder, si vous lui avez donné une éducation artistique, il peut regarder le générique, parce que c'est bien fait. C'est assez marrant. Et puis après, normalement, au bout d'une minute trente, vous allez entendre un certain souffle d'apaisement. Donc, soit il s'endort, soit, gentiment, il va vous embrasser en se levant et en disant « Ouais, il ne se passe rien, quoi. » Bon. Demandez-lui de vous faire regarder en streaming le Mission Impossible, les remakes qu'ils font maintenant. Comme vous êtes une maman ou un papa attentif, vous allez essayer de faire l'expérience scientifique au même niveau, rester assis sur le canapé à côté de lui. Le canapé est toujours un objet scientifique très important dans les addictions. Le nombre de choses qui se passent sur le canapé en addictologie. Au bout de 5-10 minutes, vous devez vous tourner vers lui en disant « Explique-moi qui fait quoi. Je ne comprends pas. Ça va trop vite, les gens courent partout, ils sautent, ainsi de suite. » Ça vous paraît peut-être voilà, un effet de tribune. Lipovetsky avait beaucoup travaillé là-dessus. Il a publié un bouquin remarquable avec... un de ses collègues, ils ont aussi se sont tapés à peu près 200 films, ils ont comparé tous ces films, ils ont comparé qu'entre le film original et le remake, on a enlevé à peu près une demi-heure ou trois quarts d'heure de récit, qu'on remplaçait par une demi-heure ou trois quarts d'heure d'effets spéciaux. C'est-à-dire que là où on captait l'attention par un récit linéaire, on le remplaçait par une stimulation sensorielle. Et cette stimulation, si elle est réussie, il ne zappe pas, si elle est ratée, il zappe. Sauf que quand vous êtes en hyperstimulation, ce n'est pas la même chose que quand vous avez une attention captée par un récit linéaire. Aujourd'hui, on est dans une culture qui privilégie le sensoriel, qui privilégie l'intense, qui privilégie le rapide, qui privilégie la stimulation à ce qu'on appelait dans le vieux jargon la sublimation, le récit, la construction. Donc quand vous avez ce système-là, ce n'est pas forcément un bon ou un mauvais système, mais si vous n'avez pas, pareil, anticipé ça, vous allez avoir une tendance à aller vers des objets qui vous permettent d'aller encore plus fort dans cette course-là. Et au bout d'un moment, les meilleurs objets, comme par hasard, ce sont les objets d'addiction. Si vous en doutez, regardez dans les quelles années arrive le binge-drinking. Bien sûr que le binge-drinking, il est basé sur des phénomènes neuro, bien sûr qu'il a des conséquences sur le circuit. Mais demandez-vous pourquoi avant les années 80 cette conduite n'existait pas. Demandez-vous pourquoi cette conduite a monté progressivement, comme par hasard, dans les années 90-2000. Demandez-vous pourquoi les premiers signes de diminution dans certains pays démarrent depuis 2-3 ans. Et regardez, c'est le moment où on met en place, petit à petit, cette culture de l'hyper-intense, de l'hyper-rapide. Et si vous n'aimez pas le cinéma, regardez-le dans le sport. Regardez un match de tennis d'il y a 20 ans, regardez un match de tennis d'aujourd'hui, je ne vous fais pas la comparaison entre le jeu électronique Pong et les jeux électroniques d'aujourd'hui. Ah, hein, il est mort, il vient de mourir, là, l'inventeur de Pong. Mais voilà, c'est-à-dire que le niveau d'hyperstimulation
est augmenté, hein, les fameux ils sont multitâches, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont discutées, et pour en avoir discuté avec les personnes qui travaillent au niveau des neurosciences sur la fabrication des jeux, ah, la construction d'un jeu qui marche, c'est tout sauf un exercice de naïveté. Il faut que ça capte l'attention à un certain niveau, et on capte l'attention aujourd'hui dans ces jeux par l'hyperstimulation. Donc on est dans une société qui provoque ça à tel point que hein, vous, si vous regardez un objet d'il y a 20-30 ans, il n'a plus beaucoup d'intérêt pour vous. Aujourd'hui, on est habitué à un autre niveau d'excitation et on est habitué à une autre rapidité. Le fameux « il faut attendre, il faut construire la frustration », c'est un discours qui, dans beaucoup de cas, n'est même pas construit dans la rencontre à l'objet. Et ça nous amène à revenir, ce que je vous disais, à repenser l'éducation pour dire attention, il ne s'agit pas de les empêcher de se connecter très vite, mais il s'agit de leur apprendre d'abord à faire sans la connexion et ensuite d'aller vers la connexion. Mais si on les fait aller tout de suite vers la connexion, ils n'auront jamais fait l'apprentissage d'apprendre le contrôle, la connexion, la déconnexion. On a là quelque chose qui est extrêmement intéressant. Vous connaissez les travaux, peut-être Jean-Philippe Lachaud, toute une série de personnes. C'est agaçant, c'est tout le débat sur Stanislas Dehaene, les neurosciences. Il y a des choses très agaçantes, il y a des choses passionnantes, mais qui nous renvoient à aujourd'hui, on ne peut pas penser le système d'éducation si on ne tient pas compte de ce que sont ces nouveaux objets et de comment ils fonctionnent et de ce que c'est que cette nouvelle culture de la sensation. Pour terminer, s'il y en a qui ont vraiment le goût du risque, il y a un très beau bouquin qui s'appelle « L'industrialisation du plaisir » de ce philosophe post-68art Michaud, hein, qui s'installe à Ibiza, juste avant l'arrivée de la mode. Quand la mode d'Ibiza arrive, il va voir arriver ces grandes fêtes et il va utiliser son savoir-faire de philosophe et de personne qui a beaucoup travaillé les questions de culture pour regarder ce phénomène d'industrialisation de la fête. Si vous avez envie de regarder d'un autre côté, vous avez tous les travaux de Sigmund Baumann, hein, avec les critiques qu'on peut faire, mais autour de la société liquide et de cet univers dans lequel on est. Voilà, encore une fois, si vous avez envie, autour de ça, vous avez des descriptions absolument extraordinaires. Le point à retenir, c'est que ça commence à faire système. Les appartenances sont moins fortes, l'hyperstimulation est très présente. Le troisième niveau, c'est on est dans une société de la performance. On est dans une société de l'injonction de soi, hein, il faut être autonome, il faut être performant, et aujourd'hui, c'est en étant le meilleur que l'on est intégré. C'est compliqué. Hein. On est dans une société de presque d'une compétition permanente. Le moindre acte de travail nous met en tension, nous met en compétition avec les autres, et là, c'est toute cette culture qui va introduire le dopage au quotidien. On est dans une société où il faut réussir, hein, où l'autre peut être un adversaire, et où la réussite, ce n'est pas collectif. C'est pour ça que le petit débat qui joue sur l'équipe de foot est intéressant, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, hein, ces éléments d'actualité sont toujours intéressants à suivre. À un moment, quand l'équipe n'était pas bonne, vous avez un certain nombre de personnes qui disaient « on vous l'avait bien dit, il vaut mieux mettre des salauds, même s'ils sont salauds entre eux, qui gagnent ?» Et au début, il y avait une phrase qui était « ils sont trop bien élevés ». Ils ne gagneront pas parce qu'ils sont trop bien élevés. Et là, j'entendais ce matin, il y a un discours qui remonte. Hein. « Ah, on est sauvés, c'est une équipe de gentils qui gagne, parce qu'ils ont mis en avant le collectif sur l'individuel. » Ah, hein. Et si vous suivez ça, vous verrez, il y aura cette grille de lecture. On aurait dû mettre machin, machin, que l'entraîneur n'a pas voulu amener parce qu'ils n'ont pas l'esprit collectif. Ouais, mais eux, au moins, c'est des vrais méchants. Ils passent devant tout le monde. S'il faut donner un coup, ils le donnent. Non, 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 on a bien fait. Voilà. Hein, on est dans quelque chose où on est partagé là-dessus. Et alors, le monde du travail est particulièrement clivé et particulièrement marqué là-dessus. Et le dernier domaine, la dernière grande caractéristique de cette société addictogène qui se rajoute, c'est tous les phénomènes d'exclusion, tous les déséquilibres économiques, tout ce qui est du côté de l'exclusion sociale. Il y a toujours eu, il y a toujours une mode de consommation qui est due à la précarisation et à voilà. Hein. Donc, avec ce paradoxe,
dans la catégorie 3, les personnes qui consomment sont des personnes qui consomment pour être plus intégrées, pour réussir, pour être plus fort que l'autre. Et dans la catégorie 4, les personnes qui consomment sont des personnes qui consomment parce qu'elles n'ont plus de place dans la société, elles se sentent exclues, elles n'y croient plus, et elles disent perdu pour perdu. Et puis une partie de ceux qui sont dans cette catégorie 4 sont des personnes qui disent, de toute façon, moi j'aurai pas de place, on va me considérer comme un étranger, donc mon business, je vais aller le chercher sur le marché parallèle, et je ne vais pas aller le chercher sur le marché officiel. Voilà, c'est tous les débats sur la légalisation des drogues, c'est tout le débat sur aujourd'hui la place prise dans certains quartiers par le business de la drogue, et le fait qu'ils les défendent, parfois ces business, les armes à la main. Alors pour aller très vite, je vous présente deux trucs. Ça c'est un papier, alors, je vais essayer de vous le retrouver, éventuellement je vous le ferai passer. C'est un papier du Figaro Magazine de l'an dernier, et ils avaient résumé un peu ce truc de la société addictogène. Alors là, pour le coup, le journaliste avait fait un super boulot, donc ça permettait de le résumer. Et ça, c'était marrant. Alors, on ne voit pas bien la photo, mais c'était, comment on appelle ça, ce jeu là où il faut chercher avec son ordinateur. Ouais. Voilà, et c'était, il m'avait demandé dans Le Monde de faire un papier là-dessus, hein, sur l'inquiétante, et c'est l'illustration qu'ils avaient choisie, c'était un soir au Japon, quelques temps après la sortie de Pokémon Go, et vous avez un jardin public qui est noyé de personnes qui sont, voilà. Alors, pour terminer, qu'est-ce que ça va nous donner au niveau des pratiques professionnelles? Ça va nous donner d'abord qu'il va falloir remettre en cause notre vieux système, voilà. Notre vieux système, c'est, il y a des choses, c'est pas des vraies drogues, ça pose pas de problème. Alors, je veux vexer personne. Le débat en ce moment est très chaud en France autour de l'alcool. Est-ce que le vin contient de l'alcool? Est-ce que l'alcool contenu dans le vin est un alcool comme les autres? Vous savez que les coups volent bas. Mais clairement, voilà, on a eu pendant très longtemps en France une espèce de tolérance. Vous imaginez la même chose avec la route du cannabis? Non, mais alors, pharmacologiquement, on pourrait imaginer la même chose, il n'y a pas de raison. Enfin, quand on se met à le réfléchir comme ça, si vous voulez, les plantations, c'est ça, ainsi de suite. Voilà, on est sur quelque chose. Dans la théorie de l'alcool, pour le faire exister comme produit de consommation courante, il fallait donc du coup dire que le problème, c'était les vulnérables, ceux qui ne savaient pas boire. Donc le but était d'extraire de la masse qui savait boire les faibles qui ne savaient pas boire, pour eux les protéger et les soigner. Mais pas emmerder les autres, comme dirait l'autre. Hein, il fallait laisser les autres boire tranquillement. Voilà, donc on allait rechercher les faibles. Alors les faibles étaient au hasard les femmes enceintes, les enfants, les jeunes. Et puis, la société étant ce qu'elle est, en dehors des faibles, on a dit, il y a des circonstances où il serait bon de ne pas le faire. Voilà. Avant de prendre le volant, sur un certain nombre de métiers où vous avez des machines dangereuses ou pas, et on va du coup dire, là, dans ce cas-là, on peut contrôler, on peut vérifier, c'est normal, on lui confie. Voilà. Donc on va avoir, on va avoir une loi, qui va donc dire, vous pouvez continuer de boire, on va avertir les faibles, et on va punir ceux qui le font quand on n'y a pas le droit de le faire. Voilà, pour vous le faire à la SERP. Et les autres, démerdez-vous. Ce qui a donné des millions de personnes qu'on appelle les buveurs réguliers excessifs, qui consomment des quantités d'alcool supérieures à ce qui devrait être consommé en termes de santé. Mais comme ils le font en dessous de ce qui est jugé comme une interdiction sociale, eh ben, ils ont le droit d'aller tranquillement jusqu'à la maladie sans qu'on les emmerde. Et on se donnera rendez-vous 10, 15, 20 ans plus tard, au moment du cancer, au moment de la cirrhose, au moment de ce problème-là. Hein, c'est un des gros problèmes sur lesquels on essaye de changer le modèle de l'alcool. Alors, le pourquoi de cet alcool, c'est toutes les raisons qu'on a données. Certains sont rentrés par appartenance, il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. D'autres sont rentrés par la culture festive, chouette, on est champion du monde, on est champion du monde. Comme le lendemain, on est champion de sa rue, comme la semaine d'après, on est champion de... Voilà, et qu'on peut, on a toujours quelque chose à fêter, donc la culture festive peut se répéter.
Les troisièmes sont rentrés dans l'alcool par gestion du stress. Hein. Le fameux petit verre d'alcool qu'on prend le soir quand on sort d'une journée qui nous a un peu noué, et puis je t'en sers un, oui, tu m'en sers un, je t'en sers un, et au moins ça délasse. Et les quatrièmes qui continuent d'être ceux qui boivent parce que ça tient chaud dans la rue, ainsi de suite, l'exclusion, la précarisation. Donc voilà, les quatre robinets tournent à plein régime, mais ils ont tourné depuis longtemps à plein régime, et les indicateurs n'étant pas donnés du risque alcool, on pouvait considérer qu'on se réveillerait quand on serait malade. Non pas alcoolique, mais malade. La cirrhose, le cancer. Hein, on ne se reconnaissait pas comme alcoolique, on avait une maladie due à l'alcool. Et pendant longtemps, on s'est plus occupé des maladies dues à l'alcool que du patient alcoolique. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis de l'autre côté, on avait, alors je provoque un peu, hein, on avait les ligues de vertu. Oh, t'as tiré une taffe ? Mon Dieu. Voilà, hein, donc, de l'autre côté, c'était les mauvaises drogues. Alors, je vous rappelle que dans les mauvaises drogues, je ne sais pas si vous le savez, ce qu'on appelle les stupéfiants, c'est toutes les drogues qui sont interdites. Hein, c'est-à-dire que, qu'elles vous rendent gay, triste, machin, c'est toutes les drogues qui sont interdites. Y compris celles qu'on va interdire, qu'on n'a pas encore eu le temps d'interdire parce qu'ils les ont inventées plus vite qu'on les a mis sous les fourches codines de la loi. Hein. Et donc là, on était sur un autre système qui est ça, c'est vraiment pas bien, faut pas le faire. Donc, si jamais tu refuses d'arrêter, c'est la prison. Mais si tu veux te faire soigner, tu vas être reçu anonymement et gratuitement dans un lieu de soins et voilà, on va t'accompagner. C'était le système de soins partagé entre l'alcool, on s'occupe de sa maladie, hein, et puis un peu des questions d'alcoolisme, mais vraiment il a fallu du temps pour qu'on se mette à se mobiliser sur l'alcoolisme, et sur la drogue illicite, c'était là le bâton et la carotte. Un système un peu primaire, mais il date des années 70. Il n'a pas eu un grand succès, hein, puisque les consommations d'usage ont sans arrêt explosé, mais c'était ce système-là qui a été retenu. Alors, avec ce système-là, le malade alcoolique, on ne le voyait qu'à la fin, sauf les cas d'ivresse sur la voie publique, les violences conjugales, mais ouais, avec toutes les résistances culturelles pour les voir. Et celui-ci, c'est un jeu de chat et la souris extraordinaire, parce que puisque vous risquez d'être emprisonné dès que vous consommez, vous allez vous cacher. Vous allez essayer de ne pas vous faire voir. Hein, donc voilà, on ne les voyait. Et alors, comme quand on les interpellait, on se sentait un peu coupable, c'était « je te prends, mais je ne te mets pas en prison, je t'envoie d'abord te faire soigner ». Donc on envoyait se faire soigner des personnes qui n'en avaient pas toujours envie. C'était tout le travail sur l'injonction thérapeutique et le système autour de la motivation et faire petit à petit arriver la motivation de soins. Ce système qui a résisté jusqu'à l'arrivée de l'addictologie. Alors on va regarder tranquillement cette diapositive. Quand arrive l'addictologie, on va commencer à se dire, mais là on s'est un peu planté. Si on attend comme ça, on passe à côté. Et on voyait en plus qu'il y avait de plus en plus d'objets d'addiction. Hein. Et donc on va changer de... On va essayer, c'est pas tranché en France, on est encore très ambigu, mais on va essayer de se dire qu'il faudrait peut-être qu'on réfléchisse autrement, qu'on reprenne le problème autrement et qu'on ne soit pas juste sur ce système-là et qu'on soit sur quelque chose autour de ce que vous avez entendu, le repérage précoce, l'intervention brève. Je ne sais pas si ces outils vous disent un peu des mots. C'est-à-dire se dire qu'il faut aller vers les personnes un peu plus tôt dans leur trajectoire. Il faut aller vers les différentes personnes qui consomment un peu plus tôt dans leur trajectoire. Mais quand vous allez vers une personne qui consomme plus tôt dans sa trajectoire, vous êtes un emmerdeur. Parce que vous êtes celui qui vient l'empêcher de faire quelque chose qu'il a encore envie de faire. Puisqu'il n'a pas encore pris conscience de la maladie. C'est bien ça le paradoxe. C'est que le système d'avant, au moins il était confortable pour le professionnel. Il n'était pas glorieux, mais il était confortable. Une fois que tu es vraiment malade dû à l'alcool, là, il n'y a pas photo. Mon pauvre ami, vous êtes ceux qui ne supportent pas l'alcool dans un cas, ou bien vous êtes ceux qui ont développé une maladie à l'alcool dans l'autre cas. Mais au moins, il y avait... Voilà. Il peut vous dire que ce n'est pas facile de m'en sortir, mais il y avait quelque chose de partagé là-dedans. De l'autre côté, le système, c'était aller attraper quelqu'un
qui ne voulait pas, hein, et lui dire que c'est illégal. Le fait que la loi n'avait pas d'état d'âme, bah, permettait de dire que c'est illégal, donc tu n'as pas le choix, il faut que tu arrêtes, puisque c'est interdit. Donc tu n'as pas le choix. Ah, donc on jouait sur ce double registre. Je force le trait, mais comme je fais partie de ceux qui ont fait ce travail-là, voilà, je m'applique la caricature, même si à l'intérieur on était moins stupide que ça. Mais avec cette prise de conscience, on se dit on ne peut pas en rester là, il faut qu'on aille vers les personnes avant qu'elles soient malades. Donc elles sont dans leur situation professionnelle, elles sont dans leur peau de fin de journée, elles sont dans leur petite fête du week-end. Et vous arrivez en disant, c'est pas bien, il faut que tu arrêtes. Bon, si vous le faites comme ça, vous voyez le succès que vous allez avoir. Mais pourtant, c'est autour de ça qu'on a commencé à se dire, il faut qu'on travaille. Donc on a cherché à construire des outils. Alors je vous les donne en vrac, hein. Il y a tout un gros travail qui s'est fait autour de ce qu'on appelle la promotion de l'environnement favorable. C'est une phrase qui dit beaucoup de choses, hein. C'est une phrase qui implique comment les conditions de travail pourraient ou pas être moins compétitives dans certains cas, comment elles pourraient ou pas être moins source de stress, puisque le lien entre le stress et un certain nombre de consommations était établi, comment dans un certain nombre de cas des histoires de prix, hein, la bataille pour le prix minimum de l'alcool, l'augmentation du prix du tabac, tant que ces produits sont à des prix bas et présentés dans des distributions larges, c'est difficile de faire comprendre aux personnes que ce sont des produits qui représentent un danger. C'est en accès libre avec un prix bas. Hein, donc il y a toute une réflexion. Vous avez peut-être suivi qu'on a petit à petit augmenté et content de faire mieux respecter l'interdiction de vente aux mineurs, qu'on essaye d'interdire ponctuellement les arrêtés municipaux interdisant de consommer de l'alcool de telle heure à telle heure, à tel endroit. Ça ne lutte pas globalement contre l'alcoolisme, mais à chaque fois, il y a des résultats intéressants parce que le nombre d'accidents dus à l'alcool a diminué. Hein, je donne cet exemple qui était majeur. Hein, le dernier championnat d'Europe en France, on oublie, comme par hasard, les interdits municipaux. Résultat, Marseille est à feu et à sang, les urgences explosent. Du coup, le lendemain, toutes les villes qui avaient oublié, Marseille y compris, reprennent les interdits municipaux. S'il faut faire un kilomètre à pied pour aller chercher ces 40 canettes, il y en a moins qui le font. C'est un truc con, hein, mais il y en a moins qui le font, toujours qui le font, qui ramènent avec des bagnoles, mais au total, il y en a moins. Et du coup, les chiffres ont été très nets, le nombre d'actes de violence, le nombre de passages aux urgences, le nombre d'accidents, quand on a remis ces interdits de consommation, ont baissé de façon spectaculaire. Voilà. Donc l'environnement favorable, ça va d'un travail le plus organisationnel à un cadre, parfois rappeler que les pots avec alcool sont déconseillés à tel lieu, à tel endroit, à telle heure. Voilà. De l'autre côté, parfois rappeler que oui, permettre à des personnes de ne pas être dans des sentiments de pression permanente, c'est une incitation de moins à surconsommer. Donc il faut qu'on ait des instances où on discute de ça. Et vous voyez, c'est la communauté professionnelle, c'est les personnes qui sont en contact. Alors je l'ai mis avec les jeunes parce que c'était une diapo, je ne l'ai pas refaite celle-là, c'était une diapo un peu pour des lycées, des collèges, hein, mais ça fonctionne de la même façon. C'est voilà, le fait de se dire, là, ce n'est pas forcément la dictologue qui est mieux placée, c'est celui qui comprend bien l'organisation du travail, c'est celui qui comprend bien les interactions entre les personnes, qui va pouvoir dire, eh ben, on peut faire tomber la pression à tel ou tel endroit. L'étage du dessus, ça consiste à dire, on va quand même là, un petit peu, essayer de regarder le jeu de passe-passe qu'on peut faire et comment on peut repérer. Parce que, rappelez-vous, hein, on était parti de là, il y a quand même à l'intérieur des personnes qui peuvent être un peu plus vulnérables, qui donc pourraient être un peu plus celles qui, le plus vite, seraient en difficulté. Donc il est intéressant de continuer d'avoir le souci dans une communauté d'identifier, de se donner les moyens, de suivre les personnes les plus vulnérables ou d'avoir une sorte de regard là-dessus. Donc là, pareil, on n'est pas dans un diagnostic. Ce n'est pas un travail de médecins qui vont identifier est-ce que c'est tel ou tel type de personne. C'est de repérer par rapport à ces conduites
Donc vous avez un certain nombre d'outils, de tests, de questionnaires qui sont à disposition. Généralement, les acteurs de l'addictologie les connaissent. On peut échanger là-dessus, qui peuvent être donnés. Et là, on va pouvoir travailler ensemble. Hein, comment on reconnaît une situation de vulnérabilité? Qu'est-ce qui fait que telle personne peut être un peu plus vulnérable que telle autre? Comment on peut travailler là-dessus? Et puis, les deux autres niveaux dont je parlerai moins, parce que c'est les niveaux du soin, c'est le haut de la pyramide. Hein, voilà, c'est là, on est du côté de est-ce que on a vraiment affaire à une situation à problème ou pas, et quelle est la thérapie ou quel est le système qu'on peut proposer. C'est juste, je vous les cite, juste parce que c'est toujours le piège. Hein. Si on pense la situation de prévention au regard du haut de la pyramide, vous voyez comment on se trompe. Hein, c'est que si on pense la situation de prévention au regard du haut de la pyramide, on va se tromper. Donc il faut à la fois mixer nos compétences, mais laisser chacun à sa place, et l'enjeu fondamental dans une communauté, qu'elle soit universitaire, scolaire, professionnelle, c'est partagé par des acteurs qui ne sont pas des addictologues et qui sont, au sens large, ceux qui vont pouvoir réfléchir à comment on peut gérer tel ou tel truc, comment on peut gérer tel ou tel événement, comment on peut réfléchir à ce qui se pose en termes de tension ou pas. Voilà. Alors, pour terminer, deux petites remarques. Comment on passe de cette société addictogène et à la sous-partie un peu sur le monde du travail. Alors, on a aujourd'hui ce problème en France. Il n'est pas propre à la France, mais il est beaucoup plus net en France, d'écart entre les drogues illicites et le mésusage de médicaments. Je vous rappelle, hein, parce qu'on ne l'a pas toujours en tête, qu'il y a beaucoup d'autres pays où la vente de l'alcool est à des régulations intermédiaires. Vous avez, par exemple, on donne l'exemple du Canada ou des pays du nord de l'Europe, les alcools forts, le vin, un certain nombre au-dessus de X degrés, c'est vendu dans des boutiques spécialisées. Ce n'est pas n'importe qui le vend. En France, on continue de trouver dans certaines stations-service. Vous dites, quand vous y pensez, c'est j'ai une station-service près de moi. Le type, il fait station-service et il vend des alcools. Dites quand même. Les collègues étrangers qui viennent, je les amène faire le plein à l'endroit où je suis, mais c'est quand même là fortiche. Hein. Voilà. Les dépanneurs au Canada, c'est que des bières. Vous n'avez pas d'alcool supérieur à 30 degrés. Voilà. Il y a des tests qui sont faits en ce moment dans des grands festivals où, sans prévenir le public, c'est pas très loyal, mais on a diminué de 2 degrés les bières qui sont vendues. C'est d'une efficacité redoutable en termes d'accidents, bagarres, violences. À tel point qu'on commence à se dire, voilà une régulation qu'on pourrait faire. On ne peut pas rendre nos grandes fêtes abstinentes, c'est peut-être un choc culturel un peu rapide, mais... Voilà. Donc, non mais, vous voyez, c'est des histoires. Hein. Donc, la différence entre les drogues licites, les drogues illicites et le mésusage de médicaments est en France une source de problème. On va avoir parfois une très grande tolérance avec quelqu'un qui mésuse de ces traitements. On peut avoir même une sorte de complicité avec des drogues licites, et on sera d'une grande banalité, d'une grande sévérité, pardon, avec telle drogue illicite, et du coup, on aura l'impression d'avoir fait le job, parce qu'on se mobilise là-dessus. Il y a un produit dont je ne vous ai pas parlé volontairement, parce que soit il sort dans des questions, soit... mais c'est le statut du tabac et ce qui se passe aujourd'hui entre le tabac, la nicotine et le vapotage, mais qui est une autre... voilà. L'autre point, c'est effectivement de réfléchir à ces usages socialement acceptés et valorisés. Hein. Et là, on a un vrai travail d'actualisation. Voilà, je suis pas un éradicateur né, mais je pense qu'il faudrait qu'on soit capable de se dire qu'il y a des façons de consommer associées à des situations de travail ou à des situations collectives sur lesquelles on est trop tolérant, sur lesquelles on ne passe pas un message cohérent avec ce qu'on sait être aujourd'hui les dégâts de l'alcool, par exemple.
qu'on ait pu faire ça il y a 30 ou 40 ans encore, parce qu'on ne savait pas l'impact de l'alcool. Mais aujourd'hui, ce n'est pas logique qu'on le fasse. Hein. Et pour vous donner ce petit truc, voilà, les ambiguïtés qu'on a là-dessus sont fortes. Alors, il y a les métiers qui étaient associés au bien boire, hein, les fameux dockers du Havre, ainsi de suite, bon, qui ne sont pas des mythologies, hein, qui étaient associés à ça, où il fallait montrer qu'on pouvait bien boire. Il y a maintenant des nouveaux métiers. Hein, dans certains métiers, l'audiovisuel, où il faut bien fumer, hein, c'est le paradoxe avec le cannabis. Hein. Et dans ces métiers-là, où ça va très vite, on voit même des personnes avoir intégré les remarques sur le tabac et donc vouloir garder leur cannabis, et ils passent au vapotage de cannabis, c'est tout le débat, vous avez entendu, le CBD, les e-liquides, ainsi de suite. Hein. Et on n'est pas loin, à mon avis, d'avoir un changement de mode de consommation auquel il faut qu'on se prépare. Hein, et on aura probablement, là encore, à faire la part du feu, c'est-à-dire que être addictologue, ce n'est pas tout éradiquer, c'est dire il y a des comportements plus dangereux que d'autres, il y a des comportements à un âge, il ne faut pas les laisser faire, à un autre âge, on peut, voilà, dans certaines circonstances. Donc il faut qu'on se prépare à calculer ça. Il y a tous ces usages avec bénéfices sur le travail, encore une fois, gestion du stress, productivité. Alors, ce n'est pas le cas ici, mais moi, j'avais un peu, une fois, ouvert les yeux à un de mes fils, ingénieur, brillant, voilà, fait la fierté de papa. Donc, et dans une discussion, il me disait, de toute façon, ton boulot, hein, je lui dis, écoute, voilà. Et il devait faire son stage, il faisait l'école des mines, il devait faire son stage. Je lui dis, tu vas faire le stage ouvrier, tu vas me faire plaisir, c'est moi qui te le trouve. Je l'ai envoyé à l'usine. Alors, je ne dirais pas la marque, pour ne pas vexer, voilà, mais une des usines françaises de la vallée de la Seine, puisqu'à l'époque, je travaillais à Mantes-la-Jolie, donc c'est Renault ou Peugeot. Voilà. Mais il y va, et il me dit, mais ils sont tous pétés au cannabis. Je dis, ils ne sont pas pétés au cannabis, ils fument des joints. Je lui dis, c'est ceux dont je m'occupe. Le reste du temps, à l'époque, je travaillais à Mantes, hein, au quartier du Val-Fouré, et je lui dis, je les connais sur le bout du doigt. On achète la paix sociale en les faisant travailler 7 mois à peu près par an. Et on les fait tourner pour qu'il y ait de l'argent dans toutes les familles. Et puis il y a 5 mois, ils ne bossent pas. Les 5 mois où ils bossent, ils surfument parce qu'ils s'emmerdent, qu'ils ne prennent pas d'alcool, et qu'ils sont. Leur grosse de la consommation, c'est fumer. Et puis un mois avant d'aller au boulot, ils disent, monsieur, je viens te voir parce qu'il faudrait que je baisse un peu ma consommation de cannabis. Mais il ne faut pas qu'ils l'arrêtent. Ils savent qu'ils ne l'arrêteront jamais. Donc lui, il trouvait qu'il surfumait parce qu'il prenait 3-4 pétards dans la journée. Naïf, élevé par un père addictologue qui passait son temps. Voilà. Donc je blague, mais voilà, j'ai eu la chance qu'ils ne le fassent pas. Mais eux, en dessous de ça, les conditions de travail n'étaient pas supportables. Pour eux, c'était la consommation de confort. Ils avaient enlevé les 7 joints qui les auraient rendus pas productifs, mais ils avaient gardé les 3 joints dont ils avaient besoin par rapport à musculairement, la fatigue, quand moi, c'était un gamin qui avait fait du sport, qui était champion de France dans sa spécialité, il est arrivé en disant, tu vas voir, je vais leur montrer. Je suis peut-être un petit blond, mais je suis balèze, tu vas voir. C'est pas la même chose de faire le sport que tu as fait que d'avoir le truc pneumatique pour serrer les boulons toute la journée. Voilà, il est rentré, il était crevé, cassé, hein, et eux, eh ben, ils fumaient leur pétard pour se délasser. Donc on a cette espèce de... Et autant vous dire que la médecine du travail ne fera jamais un dépistage systématique. On aura toujours perdu les tests où il faudra le faire, parce que sinon, on ne sait pas qui on pourra mettre sur ce type de chaîne. Donc on est sur des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, les usages avec dommages sur la personne et le travail, c'est souvent là uniquement qu'on réagit. On va se mobiliser au moment où l'addiction devient problématique pour le travail. Mais on va rarement se mobiliser au moment où l'addiction commence à être problématique pour la personne. Or, si on veut être efficace, il faudrait commencer à aider la personne l'étape d'avant et pas attendre ce moment-là. C'est la même chose dans le monde du travail que quand on parlait de la maladie. Il faudrait pouvoir aller vers les personnes un peu en amont du moment où la maladie arrive, quand on est dans la vie quotidienne. Il faudrait aller à la personne avant, hein, que le travail commence à être mis à mal par son addiction. Mais là, ça demande d'avoir ces autres outils, puisqu'encore une fois, c'est la même chose. Quand vous allez vers la personne au moment où la consommation lui est utile, elle ne vous voit pas comme un allié. Elle vous voit comme quelqu'un qui vient la déranger. Vous voyez un peu ce paradoxe. Alors, je pense qu'on en parlera à travers les questions. Et du coup, ça nous demande d'avoir à la fois toute une clinique du travail
et pas simplement une clinique du produit ou une clinique de la personne. Ça nous demande de réfléchir à cette clinique du travail. Et ce sera ma dernière diapositive. J'aurai dépassé un tout petit peu mon heure, mais voilà, donc on termine par le fait que dans cette société un peu addictogène et dans ce contexte, sans oublier les dimensions personnelles, mais si on veut s'en sortir, on va être... Enfin, voilà, ça nous invite à regarder quand même un petit peu le travail, son organisation et ses conditions, et pas uniquement comme étant un environnement, mais voilà, comme étant quelque chose qui va participer un petit peu de sa santé. Alors vous savez, c'est toujours ce paradoxe, quand on fait ce métier-là, vous avez des personnes qui vous disent donne-moi un travail, j'arrêterai de consommer, et vous en avez d'autres au contraire qui vous disent c'est parce que j'ai un travail comme ça que je consomme de cette façon-là. On est sans arrêt sur des allers-retours, et donc une partie de ce qui est intéressant aujourd'hui, et je ne sais pas comment on s'en sortira, mais en tout cas, voilà, là soyons clairs, il y a un début de réflexion qui s'ouvre là-dessus, c'est sur cette genèse socio-professionnelle d'un certain nombre de consommations qui ne partent pas tous de la personne et qui partent parfois de son adaptation aux conditions de travail. Voilà ce que je voulais vous dire de mon côté. Merci. Alors il y a le grand jury qui est là, ils ont reçu toutes les feuilles, ouais, ils sont en train de... Je te donne un... Alors du coup, effectivement, nous regroupons les questions que vous pouvez avoir, donc n'hésitez pas, vous connaissez la formule, on ne peut pas les formuler toutes de la même manière que vous avez écrit, parce qu'on a essayé de condenser un petit peu ça. On va peut-être commencer sur les effets des produits, avec une première question qui est assez précise, mais est-ce que la prise de stupéfiants peut rendre quelqu'un bipolaire? Alors, au sens de la bipolarité, je dirais non. Pour moi, de la place que j'occupe, je dirais non. La bipolarité étant renvoyée plutôt à une définition psychopathologique. Ensuite, bien évidemment, on a des personnes qui vont prendre un produit pour s'exciter, un produit pour se ralentir. Et alors, du coup, on va avoir des personnes qui vont petit à petit être, à certains moments, ralenties par leurs produits, et puis en fin de journée ou petit matin quand ils sortent, pour certains un peu décalés, ils vont prendre le produit qui stimule, et du coup ils vont avoir une sorte de bipolarité due à la façon dont ils agencent le produit qui déprime et qui ralentit, et le produit qui excite. Alors, et à l'inverse, on a des personnes qui vont prendre en premier le produit qui excite, et au moment où ils veulent rentrer chez eux, le produit qui ralentit. Et pareil, ils vont s'inscrire dans une sorte de bipolarité pharmacologique, comme on a des délires pharmacologiques, mais pas au sens de ce qu'on appelle le bipolaire. Le problème qu'on a à addiction et bipolarité, c'est des personnes qui sont bipolaires et qui vont cacher ou automédiquer leur bipolarité en prenant des produits. C'est l'autre possibilité. On sait que une des difficultés diagnostiques parfois, c'est des personnes qui sont bipolaires, et un peu comme dans la première définition, on prend quelque chose pour auto-réguler ses comportements, et ils vont tenter d'auto-réguler leur bipolarité en prenant des drogues, et parfois ils vont rendre difficile le diagnostic pendant un moment, parce qu'on verra l'alternance due aux substances, et on ne verra pas l'alternance due aux troubles archaïques le primaire de l'humeur. Voilà. Donc il y a ces deux dimensions, il y a une bipolarité pharmacologique construite, et puis il y a une bipolarité psychopathologique et qui peut être cachée ou estampée par l'automédication. Il y a des articles ou des productions tout à fait convaincantes. Du coup, mais c'est lié, parce que l'addiction peut amener vers des troubles mentaux graves et irréversibles. Alors, bien évidemment, en haut de la pyramide, les cas les plus aigus, pour pratiquement la
l'ensemble des drogues, vous pouvez avoir ces problèmes-là. Alors, vous sentez que je ne suis pas enthousiaste pour vous répondre ça, non pas que je n'ai pas envie de vous le dire, mais justement, c'est parfois ce haut de la pyramide qui nous fait passer à côté de 95% des situations d'addiction qui, elles, sont tout aussi problématiques ramenées à la personne, mais qui seront, entre guillemets, moins spectaculaires. Voilà. Moi, j'ai travaillé dans des quartiers sensibles avec des jeunes consommateurs de cannabis. J'en voyais à peu près 200-250 par an. Il y en avait deux ou trois qui relevaient de la psychiatrie aiguë et de troubles psychiatriques schizophréniques que j'orientais à l'époque. C'était déjà Krebs à Sainte-Anne qui s'en occupait. Et Krebs, chaque fois que je le voyais, me disait « Le cannabis, c'est une catastrophe en termes de schizophrénie. » Je lui dis « Non, parce que toi, dans ton service, tu vois la totalité de tous les schizophrènes qu'on t'envoie, mais moi, là où je suis, je vois les 198 autres jeunes que j'ai vus n'ont pas de problème de troubles psychiatriques aigus. Ceci dit, les problèmes qu'ils ont, c'est que les troubles cognitifs ou les troubles des apprentissages que provoquait chez eux une consommation régulière de cannabis, quand on est un jeune du Val-Fouré un peu en difficulté scolaire, l'aiguillage il est vite vu, il est vite mis, et le rattrapage il est quasi impossible. Et donc les conséquences sociales, de formation, de socialisation pour eux, était tout aussi forte, sauf qu'elle n'avait pas la même visibilité. Donc oui, il y a, avec les abus d'alcool, avec les abus de cannabis, encore plus avec les abus de psychostimulants, les NPS et autres, encore plus avec le cannabis de synthèse, ainsi de suite, en haut de la pyramide des risques psychiatriques. Mais gardons en tête que le danger majeur de l'addiction, statistiquement et en population générale, ce n'est pas ce risque-là. Il reste un risque aigu, mais ce n'est pas ce risque-là. Le café, une question autour du café. Pour le situer, et est-ce qu'il y a une accoutumance ? Alors, le café est une boisson en voie de disparition. Non, mais je blague, mais le café a... l'exemple type du café, c'est la caféine, et la caféine, c'est maintenant mélangé avec la taurine, c'est le Red Bull, et c'est des boissons énergisantes. L'avenir est à la boisson énergisante. Regardez comment la boisson énergisante a remplacé le tabac dans le sponsoring de tous les sports à risque. N'importe quel gamin qui veut faire un sport d'aventure passe avec un t-shirt Red Bull dans des compétitions financées par Red Bull. Donc oui, il y aura toujours, c'est la même chose qu'on disait à propos du CBD, du cannabis light qui apparaît en ce moment. Il y aura toujours des boissons intermédiaires. Le café peut poser un certain nombre de questions de santé publique. Mais voilà, c'est pas... À l'inverse, le café, un peu mieux dosé, avec un bon packaging, plus un peu de magie avec la taurine, a pris un rôle important, et on sait que dans certaines soirées, on va, ou dans certaines épiceries, on vend les boissons énergisantes à côté des alcools, parce qu'on sait à quoi ça sert, et qu'on va vendre ces boissons super énergisantes pour retarder le moment où on perçoit la fatigue et avoir ce problème-là. Après, comme toute substance, vous aurez des personnes qui auront des usages excessifs, même de café. Mais ce n'est pas la majorité. Et je vous invite à réfléchir plutôt à ce domaine de la boisson énergisante et de la banalisation. Quand on avait fait l'expertise collective addiction chez les jeunes en 2014, une des annexes, elle est signée de Laurent Carilla, qui est un de nos addictologues reconnus, et elle est sur les boissons énergisantes. Et il faut savoir que 2-3 ans avant, la taurine et donc le Red Bull étaient encore interdits à la vente. Parce que, on se demandait si. Et puis, bien sûr, la logique économique l'a emporté et le produit a tout emporté. Donc aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est un certain café de consommation courante, c'est finalement c'est le jeu de la machine à café. Quoi. Ils ne peuvent plus aller fumer ensemble dans le monde qui vont autour de la machine à café. La surmédicamentation. Alors, je ne sais pas, dit comme ça, c'est un piège, hein, puisque ça veut dire la surmédicamentation. Il n'y a pas de consommation. Dégressive du produit, du coup l'usage devient. Est-ce que ça peut conduire à une dépression? Est-ce qu'on peut avoir un usage de produit
réglementé qui, à un moment donné, se détourne de son usage initial. Bien sûr, toute prescription médicamenteuse peut donner lieu à du mésusage. Alors, on le sait. Hein, c'est d'ailleurs pour ça, normalement, qu'il y a une prescription par un médecin qui voit et qui suit. Hein. Moi, ce que j'aurais envie de dire sur cette histoire de surmédication, de surmédicalisation, c'est un débat sur lequel on n'est pas trop à l'aise en France. Parce que ça peut amener à rejeter très vite le traitement médical. Alors, on a besoin du traitement médical. Hein, quand on est déprimé, il vaut mieux prendre un antidépresseur qu'attendre que ça passe naturellement par magie. Voilà. Après, le traitement ne devrait pas obligatoirement faire oublier l'intérêt des psychothérapies ou des sociothérapies. Et parfois, en France, on n'est pas bon pour associer une approche avec une autre. Soit l'un, soit l'autre. Hein. Je vous donnais l'exemple de l'épidémie des overdoses en Amérique du Nord. Ah, c'est intéressant de rappeler que quand on est déprimé, il faut traiter sa dépression. Quand on a des émotions, un médicament peut aider à gérer les émotions, mais un travail psychothérapeutique peut aider à gérer aussi ses émotions. Et moi, j'aime bien dans ma pratique clinique dire à une personne, écoute, si par un médicament on peut commencer à baisser le niveau du problème que tu as, c'est dommage de s'en priver. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de continuer le traitement au-delà de ce qui est nécessaire, et donc il y a probablement un accompagnement psychothérapeutique qui pourrait être apporté. Hein. C'est ce qu'on appelle les prises en charge intégrées, et aujourd'hui, on a intérêt à réfléchir là-dessus, surtout encore une fois dans ce paradoxe dans lequel on peut être, de médicaliser des problèmes sociaux. Et c'est là qu'il peut y avoir un vrai danger. Quand on commence à médicaliser une problématique dont l'origine est quand même aussi dans l'organisation du travail, dans les relations familiales, dans le mode de vie. Et autant il peut être utile d'utiliser un traitement, une chimiothérapie, pour en atténuer certaines conséquences, autant il est dangereux, et dommage en tout cas, et parfois dangereux, de ne pas interroger ce qui est dû aux conditions de travail, au mode de vie, aux angoisses, aux émotions dans lesquelles est la personne. L'association des deux, moi là-dessus, je reste, je suis quelqu'un, je suis thérapeute, donc je ne prescris pas, mais mes patients savent que je leur demande de voir un médecin, et je leur demande de réfléchir avec le médecin à l'intérêt d'une prescription médicamenteuse, et à l'inverse, je leur demande de penser la prescription médicamenteuse au regard de ce qu'ils peuvent faire dans un travail de psychothérapie. Et je défends l'association des deux, et parfois au-delà de la psychothérapie, encore une fois, de réfléchir aux conditions de vie et aux modes de travail. Je vous rappellerai que dans l'addiction en ce moment, il y a quelque chose qui n'est pas qu'un serpent de mer, mais tout ce qui a lieu autour de la pleine conscience et du retour de ces approches-là, peut faire sourire les vieux comme moi qui auraient dit vous arrêtez ces déconneries, maintenant on va tout passer sous médicaments. Alors comme ça revient des États-Unis avec des études, on nous vend des stages de pleine conscience très chers, mais voilà, toute personne qui a fait une expérience un peu d'une bonne thérapie autour de la pleine conscience voit que ça permet d'attraper un certain nombre de choses de façon tout à fait intéressante. Donc il faudra arriver à équilibrer les deux et surtout à ne pas opposer l'un à l'autre. Et à ne pas être dans des mauvaises indications de proposer une approche de l'un quand ça correspond mieux à l'autre ou vice-versa. On a beaucoup de questions qui arrivent. On a une question, une demande de précision sur le. Vous avez parlé tout à l'heure d'un nouveau médicament pour le cannabis, est-ce que vous pouvez préciser? Alors, c'est donc l'équipe de. Comment il s'appelle? Donc de Michel Lemoyle. Qui travaille depuis. Alors moi, je suis pas pharmacologue, donc je peux pas vous le dire, mais vous allez regarder. Il a eu le prix INSERM il y a 2 ans. C'est une molécule, la pharmacologue, ou je prends un truc comme ça. Pas bien bêtise, je vais ridiculiser Fesso. Mais c'est c'est considéré comme étant le traitement qui serait le plus adapté
pour les cas de dépendance au cannabis. Pour les patients, on parle bien de traiter la dépendance au cannabis pour le sous-groupe de ceux qui sont devenus physiquement dépendants. Pour l'instant, le processus n'est pas à son terme et il rentre dans une troisième phase d'évaluation. Donc le médicament n'est pas prescrit aujourd'hui. Hein. C'est un truc de recherche. Tu sais, j'ai l'esprit d'escalier, donc dès que j'aurai fini, je retrouverai et je vous passerai les coordonnées. En plus, comme ce n'est pas c'est pas moi qui le prescrirai, je le regarde moins. Et comme il n'est pas sur le marché, je le regarde moins. Mais voilà, c'est dans ce laboratoire que ce médicament a été testé. Et dernière fois que j'ai vu le collègue qui s'en occupe, il part aux États-Unis, d'ailleurs, puisque c'est là qu'il a pu faire financer. Donc il va rentrer dans la troisième phase d'évaluation de ce traitement. Le problème étant certains effets secondaires, donc il y a un petit ralentissement dû à éventuellement certains effets secondaires, et ce serait un traitement, encore une fois, de la dépendance au cannabis. Donc quand on dit un traitement du cannabis, c'est une formule un peu rapide, mais un traitement de la dépendance au cannabis. Ensuite, nous avons des questions qui lient le temps et l'addiction. Il y en a trois, je vous les donne comme ça. Quand passe-t-on de l'usage à l'addiction ? La durée, la fréquence qui provoque l'addiction et l'intervalle nécessaire pour l'éviter ? Et quelle serait la durée qui permettrait de dire qu'on serait guéri ? Alors, c'est trois questions compliquées. La notion de temporalité dans l'addiction, c'est une notion... C'est une notion piège, d'abord parce qu'il y a la durée dans l'absolu, et il y a les âges de la vie. Hein, la prise de produit n'a pas les mêmes effets à différents moments de la vie. C'est un truc qu'il faut avoir en tête. Majoritairement dans notre société, les addictions commencent encore à des proportions énormes. Hein. Les premières expérimentations sont fin des années collège, début des années lycée. Les consolidations sont fin des années lycée, début des années étudiantes. C'est d'une façon absolument étonnante. Ça n'a pas... Voilà, hein, et ça fait à peu près depuis les années 2000 que ce cycle-là n'a pas changé de façon forte. Les fameuses études qu'on a de l'OFDT, qui sont avec les mêmes outils, répétées, ainsi de suite, qu'elles soient celles des journées du volontariat du service national, soit la grande étude européenne dans les établissements sur la santé des jeunes dans les établissements scolaires, sont absolument convergentes. Donc il y a un premier problème au niveau du temps, qui est qu'on n'évalue pas de la même façon à l'adolescence les étapes de l'âge adulte et la personne âgée. Vous savez qu'il y a maintenant de plus en plus des études passionnantes sur personnes âgées et addiction, avec bien évidemment ce qu'on connaissait avant, qui étaient les médicaments, hein, sur consommation médicamenteuse, mais les problèmes d'alcool, hein, parce que la personne ne change pas sa quantité d'alcool alors qu'elle n'a plus le même âge et que du coup les effets se voient de plus en plus, hein, et on a des études là-dessus tout à fait intéressantes, et puis faire sourire, mais on commence à voir le cannabis dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Donc voilà, c'est aussi logique. Et il y a des travaux qui commencent à égayer certains colloques, parce que cannabis et maisons de retraite, on a moins l'habitude. Donc ça donne un peu à réfléchir. Donc, c'est une première notion. La deuxième notion, c'est combien de temps on a l'impression d'avoir le contrôle, et à partir de quand on rentre dans l'addiction. Alors là, c'est là que je vous disais, il y a des pièges extraordinaires. Le buveur régulier excessif, c'est quelqu'un qui à aucun moment ne se sent et ne se voit ivre, et qui du coup, pour nous, est dans une consommation d'alcool problématique, hein, qui relève de la maladie alcoolique, mais pour lui, il est dans une consommation contrôlée. Il boit tous les jours, il boit plus que les deux verres qu'il doit boire, il n'a pas les bouteilles que les nouveaux repères qui vont être donnés, c'est 10 verres par semaine, pas plus de 2 verres par jour et avec des jours sans. Donc avec ces repères-là, il y en a certainement plus qu'il n'imagine qui sont rentrés dans la catégorie du malade alcoolique. Mais comme il n'y a pas d'ivresse, ou comme il n'y a pas la perte de contrôle, au sens où il ne teste pas sa capacité à ne pas le faire,
ce qu'il considère comme le comportement anormal, il n'a rien qui l'alarme. Et donc on rentrera dans le vieux schéma, c'est quand il déclarera une maladie grave qu'il sera confronté à. Donc là, on est sur le deuxième critère de la temporalité, c'est la perte de contrôle, le moment qui le fait sortir de la norme. Et le troisième problème étant, selon les milieux où vous êtes, la norme de tolérance va être très variable. Vous pouvez ici être dans des lieux où on considère que l'apéro de soir, ça reste normal, où on considère que l'apéro de service, ça reste normal, où on considère que vous pouvez être dans des univers qui font que vos consommations ne vont pas vous être envoyées comme étant problématiques, mais vous êtes envoyées comme étant normales, et du coup, vous ne le verrez pas. Donc aujourd'hui, on essaye de travailler avec deux choses. Alors, les nouveaux critères d'alerte, de ce qu'on appelle Santé publique France, qui vont être donnés, je crois que vous les connaissez, ils commencent à circuler, donc c'est les fameux divers, il n'y a plus de différence de femmes, c'est divers, par semaine, pas plus de 2 verres par jour, et avec les jours sans. Au total, c'est le coup de vie, c'est plus fort, mais donc de dire aux personnes, évaluez-vous par rapport à ça, parce que le critère, il est là. Et après, donc pour moi, il y a un premier élément de réponse qui est les âges de la vie, un deuxième élément de réponse qui est celui de la chronologie, de la trajectoire qui fait qu'on s'évalue, le troisième élément de réponse que je mets de côté, qui est qu'un certain nombre d'histoires d'addiction partent sur des histoires de vie abîmées. Une partie de ceux qu'on verra le plus, c'est ceux, en ce moment c'est très à la mode, mais pas qu'à la mode, parce que hélas là aussi c'est une espèce d'auto-fabrication, c'est tous ceux qui ont des histoires de psychotrauma. Le psychotrauma, abus sexuel, violence subie, ainsi de suite. Donc du coup, vous avez une espèce d'intensité de souffrance forte en vous, qui fait que dès que vous pouvez, vous allez l'automédiquer. Et du coup, vous allez, dans un premier temps, avoir une consommation qui vous apporte ce soulagement et cet équilibre, et vous n'avez pas vraiment pas envie qu'on vienne vous embêter là-dessus, et vous allez pouvoir la tenir jusqu'au moment où le mécanisme, si c'est l'alcool, si c'est l'héroïne, si c'est votre héroïne, cocaïne, où le mécanisme de contrôle que vous avez pu avoir du produit va se perdre, et là vous allez rentrer dans la troisième phase, qui est la phase de la maladie. Voilà. C'est des histoires toujours étonnantes. En 20 secondes, sans prolonger s'il y a d'autres questions, mais je vois en son un garçon, il a été sous-marinier. C'est quand même pas n'importe quel boulot. C'est surveillé. Le type, il s'est pété sous son sous-marin. Il a fait ses 6 ans. Ils n'ont pas renouvelé son contrat, mais ils ne l'ont pas viré. Alors, sous-marinier, c'est marine de guerre, c'est quand même surveillé. Il n'était pas sur les trucs nucléaires, mais il était quand même sous les sous-marins d'attaque, et ainsi de suite. Il avait une compétence technique très particulière. Et le système autour de lui, de la micro-communauté du sous-marin, avait construit avec lui un système de tolérance et d'équilibre. Donc on lui a laissé se défoncer, en échange il faisait bien son boulot. Et à la fin, parce qu'il commençait à perdre le contrôle, on a profité de la fin de son contrat pour ne pas renouveler ce qu'il ne voulait pas. Mais il y avait derrière lui une histoire de psychotrauma qui était forte et qui faisait que le contrôle se perdait. On a d'autres choses avec ceux qui perdent le contrôle sur des histoires festives, ainsi de suite. Mais, pour moi, c'est ces critères-là qui sont complexes, et du coup, la visibilité et la tolérance sera parfois un sacré piège. Si vous êtes avec une drogue, on n'a pas nommé, si vous êtes avec l'alcool, vous pouvez aller beaucoup plus loin avant qu'on vous alerte. Si vous êtes avec certaines drogues, on vous alerte tout de suite. Il y a plusieurs questions sur les écrans, sur l'usage intensif des smartphones, notamment par rapport aux jeunes, à savoir effectivement quelle serait la façon de pouvoir les aider à développer leurs compétences à gérer l'objet, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, quelles seraient les pistes par rapport à ça pour aider les parents qui sont dans la salle. Alors moi là-dessus, je pense qu'effectivement, il faut sortir nos gamins du paradoxe, c'est-à-dire que on va les accuser d'être dépendants aux écrans, alors que les écrans sont présents partout.
et que d'une certaine façon, on sait bien qu'on ne pourra pas leur éviter, et qu'il ne faut pas leur éviter la rencontre des écrans. Donc du coup, une partie de ce qu'ils discutent actuellement, c'est d'organiser la rencontre des écrans. En fait, le fameux, ça fait un peu slogan, nous disons 3, 6, 9, 12, hein, qui consiste à dire pas du tout d'écran avant 3 ans, ensuite des écrans juste dans des espaces collectifs et ce type d'écran avant 6 ans, puis ensuite à 9 ans, et puis ensuite à 12 ans. Il y a des personnes qui disent oui ou pas, je pense qu'il y a une part de vérité très forte dans cette progressivité. Un autre repère, c'est celle d'une collègue psychologue qui dit c'est les 4 pas, hein, pas dans la chambre, pas le soir, pas au moment du repas, pas tout seul, ainsi de suite. Voilà, hein, on a comme ça quelques gros repères. Petit à petit, on apprend à le compléter en affinant un peu le système et en disant en fait, il faut garantir à notre enfant la progressivité. Donc, jouer avec des cubes sur un écran, c'est bien, mais il faut d'abord qu'il ait eu l'expérience sensorimotrice du cube. Donc, on revient, je ne sais pas si ça nous dit quelque chose, s'il y en a qui ont fait des études de psychologie, mais on revient à Piaget, hein, et à des choses de base. Et à dire, il faut d'abord faire le stade sensorimoteur avant d'aller vers l'abstraction et le virtuel. Et donc, de dire, dans l'histoire de pas d'écran, ça ne veut pas dire qu'il ne les croise pas, les écrans, mais qu'il n'est pas laissé seul face aux écrans d'entrée de jeu. Et qu'on va lui faire travailler les compétences psychosociales, d'abord au naturel, sans les objets, et qu'on va ensuite ramener petit à petit les objets. C'est la deuxième idée, hein, c'est de dire, ok, c'est pas juste interdire les écrans, mais c'est d'utiliser les temps préalables pour faire travailler un certain nombre de compétences psychosociales, comment on prend, comment on pose, comment on arrête, hein, et notamment la capacité à arrêter qui est importante par rapport à l'objet. La troisième piste éducative qui s'ouvre, donc il y a la progressivité, il y a de respecter tout ce qui est le sensorimoteur, le sensoriel, le contact avec la nature, le contact avec l'objet, sentir, palper, soulever, des choses qui ne sont pas que du virtuel. La troisième dimension qu'il faut donner à l'enfant pour lui permettre d'équilibrer par rapport à l'écran, alors, c'est une dimension qui peut paraître un peu plus complexe, hein, mais c'est la progressivité de l'objet. Alors, on se rend compte que parfois, des parents offrent à des enfants très vite, ils ont pendant 6 mois un téléphone portable, et puis 6 mois après, le premier renouvellement, ils ont un smartphone. Alors, sauf que c'est un peu comme si on leur disait, tu fais un petit peu le tricycle et tu prends une moto. Il y a des étapes intermédiaires. Donc il faut savoir cela, on écoute. Là, ton téléphone tout bête, tu peux appeler à distance, sans aller sur Internet, sans tout, tu peux encore avoir 2-3 ans. Ah, et tu apprends déjà à gérer cet appareil-là. Hein, c'est-à-dire que de dire, alors on est en train d'y réfléchir avec les jeux, hein, parce que c'est compliqué avec les jeux, mais il y a toute une réflexion de dire qu'il faut avoir, avec ces objets écrans, ce qu'on a appris à faire avec les autres objets motorisés, par exemple, de dire que tu ne conduis pas tout de suite une moto. Et tu ne conduis pas tout de suite une moto de 30 cm3. Tu conduis d'abord une moto en dessous. Quand vous y réfléchissez, on la trouvait assez naturelle avec ce type d'objet. Et finalement, ce ne serait pas complètement stupide de ne pas réinventer avec le fil coupé beurre, mais d'avoir à peu près des repères de cet ordre-là avec les écrans. Donc on aurait du coup la triple approche et une approche construire les compétences psychosociales dans le réel avant de lui demander de les utiliser dans le virtuel. Une approche un peu par grande catégorie, pas du tout, un peu à la folie, seul, le fameux l'ordinateur dans la pièce collective, quand même, ça aide à pas mal de choses. Et puis une troisième approche qui est que quand tu commences à prendre l'objet en main, on va te donner l'objet progressivement sophistiqué et pas tout de suite l'objet le plus sophistiqué. Alors pour l'instant, il n'y a rien qui est validé à 100% parce qu'on est en train de découvrir. L'OMS vient de classer les jeux vidéo, le trouble de l'abus des jeux vidéo, et ça vient d'être classé par l'OMS comme étant une addiction il y a un mois et demi. Hein. Donc autant vous dire que quand on discute avec un certain nombre de collègues qui sont là-dessus, eux à temps complet, eux-mêmes vous disent
D'accord. Mais sur ces trois pistes, on est à peu près sûr qu'on trouvera des résultats. Enfin, sur ces trois pistes, on est à peu près sûr qu'on trouvera des résultats et que du coup, on fabriquera ce dont on a besoin, cette génération qui saura aller vers les écrans sans être happée par l'écran. Le dernier point est le plus polémique, ce serait quand même de dire à certains fabricants qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ah, il y a quand même des techniques dans certains jeux. Pour résister, il faut être rapide, quoi. Il faut être très très fort. Parce que les gens qui ont mis en place cette technique-là, au niveau des sciences cognitives, ce n'est pas des amateurs. Il y a peut-être de dire, de même, vous savez, il y a la norme PEGI sur la violence, la pornographie et tout par rapport au jeu, il pourrait peut-être y avoir aussi de dire ce jeu-là, pas tout de suite. Ce type de jeu qui capte complètement l'attention, pas tout de suite. Mais là, les industriels ne sont pas chauds parce que c'est des parts de marché qui pourraient disparaître. Il y a une vraie réflexion qui est en train d'être menée là-dessus. Je vous ai répondu plutôt sur les jeux, mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut donner petit à petit et d'apprentissage qu'il faut donner petit à petit. Alors, est-ce qu'il y aurait une bonne et une mauvaise addiction selon les produits, quand on est sur un usage qui ne conduit pas à une destruction de soi sur le plan somatique ou psychique? Et finalement, est-ce qu'on peut dire que l'addiction aux écrans, au sport, à différents produits fonctionne de la même manière que l'addiction qui relève de l'usage de substances psychoactives? C'est à peu près la vie unanime, c'est que c'est le circuit de la récompense et qu'on appuie différemment sur ce circuit. Mais on va sur le même circuit. Après, là aussi, on est à peu près d'accord pour dire que les conséquences sont quand même pas les mêmes. C'est-à-dire que, avec le tabac, vous avez un certain nombre de risques en termes de cancer et autres qui sont quasi automatiques. Avec l'alcool, vous avez un certain nombre de risques en termes de cancer, de maladies somatiques et de violence et de perte de contrôle qui sont quasi automatiques. Donc vous avez à la fois un tronc commun qui est celui qui va activer ce qui sera du côté de la dépendance avec des caractéristiques différentes selon les autres, ou ce qui sera du côté du craving avec des caractéristiques différentes de l'impulsion à faire selon les substances, et puis vous avez en même temps des conséquences très spécifiques selon les produits, ce qui fait que on peut considérer à un moment qu'il vaut mieux qu'il fasse ça plutôt que ça. C'est un raisonnement que tout parent tient et qui est parfois un peu désagréable pour l'addictologue. Alors moi, je viens de terminer ma saison, donc j'ai classé le nombre de bacheliers, le nombre de brevets réussis malgré le cannabis et l'alcool. Et les parents qui ont un gamin qui va passer le bac vous disent tous, même aujourd'hui avec les compagnes, « Ah, il fume des cigarettes, mais ça, je m'en fous. » Parce qu'au moment du bac, la cigarette, elle est compatible. La cigarette ne fait pas échouer au bac. Alors que le cannabis peut provoquer des chutes de performance cognitive qui, elles, font échouer au bac. Donc vous avez, même les parents les plus soucieux de leur santé vont avoir une sorte de classement de hiérarchisation. Et qu'est-ce qui fait qu'on nous amène les gamins qui ont des problèmes d'écran? C'est qu'ils passent trop de temps et qu'ils baissent scolairement ou qu'ils ne sont plus présents au fameux repas familial. Repas familial dont je vous rappelle qu'il a été rendu possible grâce au feu et en partie grâce à l'alcool. Ce qui fait que des gens se sont réunis pour manger, c'est le feu qui a permis de chauffer les aliments. Et rappelez-vous, certains repas avant étaient faits essentiellement dans le nord de l'Europe à base de bière et dans le sud de l'Europe à base de vin. On a oublié que la plupart de nos recettes, le coq au vin, on est un des derniers qui résiste, et de l'autre côté, donc des fois quand on dit, dans des grandes conférences, quand on dit les écrans détruisent le repas familial, on dit ce n'est justice, une addiction vient remplacer une autre, ainsi de suite. Mais les conséquences ne sont pas les mêmes. On passe au secteur professionnel. Est-ce que vous avez une idée de l'importance des consommateurs de substances psychoactives en milieu de travail aujourd'hui en France? Ah ben non seulement j'ai une idée, mais je ne vais même pas vous fatiguer à vous donner les chiffres. Je vous renvoie à ce qui vient d'être publié par l'OFDT et par la ministre des Cash. Je crois qu'ils ont fait il y a un mois et demi à peu près, une grande journée, ils en font maintenant à peu près une par an. Vous avez tous les chiffres.
C'est absolument impressionnant, puisqu'on vous prenez à peu près toutes les addictions, les scores sont excellents, les 60, 70%, 80%, ainsi de suite. Voilà, c'est-à-dire que les scores sont absolument excellents. Et aujourd'hui, la niche numéro un de l'addiction, ce n'est pas la contre-culture, encore une fois, du hippie ou du marginal qui fait la route, c'est en milieu professionnel. Alors, vous allez voir, hein, on va vous donner l'alcool, on va vous donner le tabac, on va vous donner le cannabis qui fait une grande progression, on va vous donner les médicaments, hein, et les usages. On ne vous donne pas encore les écrans au milieu professionnel, c'est un peu ambigu, on ne vous les donne pas. Maintenant, toutes les autres, on vous les donne. Et voilà, on sait bien qu'on a là un problème, et vous verrez qu'on commence dans certaines études à essayer de chiffrer les prises de produits qui permettent de tenir dans le travail, ou les prises de produits qui permettent de gérer le stress ou la fatigue du travail après le travail. On commence à mesurer le pendant et je le fais pour tenir, ou le après et je le fais pour évacuer. Voilà, on est sur des choses qui sont intéressantes. Ce qu'on a le plus de mal à chiffrer aujourd'hui, c'est les consommations qui avaient à un moment donné l'alerte, ils étaient un peu flétrés. C'est quand on avait vu arriver l'ecstasy en Angleterre, donc c'était le milieu des Golden Boy, et c'était ces personnes qui disaient « moi je bosse beaucoup pendant 4-5 jours et j'ai besoin pendant… voilà ». Donc il y avait eu comme ça, mais les études là-dessus, donc vous allez regarder sur le chiffre de l'OFDT, si ça vous amuse, vous avez récemment, je crois, c'est dans l'Express ou le Nouvel Obs, j'ai vu passer le papier, Michel Dandillol, qui publie beaucoup là-dessus pour l'OFDT, qui vient de faire un petit papier sur pourquoi on va voir réaugmenter les opiacés, notamment par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis et au besoin de contrôler la douleur physique. Alors, une question qui nous concerne directement nos établissements universitaires, puisque on vous demande si l'activité des personnels, le travail en lui-même, ne se sont pas transformés en processus addictif du fait de quatre points. Le premier étant l'injonction d'appartenance à l'institution comme à une entreprise de marque. Le deuxième point, l'injonction à l'intensité de la production. L'exemple donné, c'est le terme d'université intensive de recherche. Le troisième point étant l'injonction à la performance individuelle, inflation d'appel d'offres, évaluation, classement, se retrouve dans l'activité de recherche. Le quatrième point relevant de la tendance inégalitaire de la distribution des pouvoirs et moyens financiers aux moyens de l'excellence, verticalité des décisions, court-circuit des corps intermédiaires. Je l'ai dit comme tel. Alors, c'est une question qui peut être facilement polémique et qui demande un peu de pas de prudence, mais de hiérarchisation dans les réponses. C'est-à-dire que, bien évidemment, je vais pas vous dire que la façon dont est organisé collectivement le travail et les exigences qui sont mises autour de l'organisation collective du travail participent, j'ai même terminé là-dessus, hein, en vous disant qu'il y a une sociogénèse de l'addiction, tout ne vient pas des personnes, et une partie vient de l'organisation au travail. La difficulté, c'est de faire la part entre la part légitime de challenge et de compétition que l'on doit se donner dans une organisation collective pour qu'elle ne ronronne pas, qu'elle ne se scarose pas, hein, et la part de surexigence qui fait qu'on va aligner les faibles et continuer avec l'effort, et que quand quelqu'un sent qu'il est en train de passer par les faibles, il va prendre des produits pour essayer de passer dans l'effort. Ah, c'est cette difficulté-là que l'on a aujourd'hui, hein, à voir jusqu'où on irait trop loin, hein, dans ces nouveaux modes de management et dans l'exigence du management. Alors, je m'en tirerai par une petite galipette, mais qui n'est pas qu'une petite galipette, parce que je n'ai pas les moyens, je ne suis pas un universitaire, je travaille dans une fac, j'ai le plaisir d'enseigner au CNAM, et je suis tenu un devoir de réserve sur les conditions de travail qui sont faites au CNAM. Je blague, mais voilà, je pourrais comparer là-dessus, mais c'est pas pareil d'être un enseignant qui vient faire quelque et d'être pris dans un système. Mais je vais vous donner un exemple qui donne lieu à des discussions, c'est le Tour de France.
cycliste. Bah, un certain nombre de personnes disent, comment voulez-vous, mais pourquoi vous recherchez du dopage du tout, vu le niveau de performance que vous demandez, c'est obligé qu'ils se dopent. Ils ne peuvent pas monter 4 cols de X catégorie pendant les 2h30 où c'est filmé, au naturel. Ou s'ils le montaient au naturel, ce serait beaucoup plus chiant. Ça intéresserait moins. Donc, comme le but, c'est que les gens ne savent pas et qu'il y ait du truc, ne faites pas les hypocrites, ils sont tous obligés de se doper. Ah, je pousse la caricature, mais on voit de plus en plus dans le monde du travail ce risque-là, qui est de dire, attention, le niveau de performance que vous demandez aux personnes risque de les amener avec des substances licites, illicites, en doublant la quantité de café, en multipliant par X, plus 1. Voilà, je terminerai par un dernier exemple qui m'implique moi, enfin qui nous implique nous. Je me rappelle d'une réunion de travail très, voilà, on est au ministère de la Santé, salle 3715, pour ceux qui connaissent, c'est une des belles salles du ministère de la Santé. On a vu sur les Invalides derrière, on voit les officiers qui tournent sur leurs chevaux dans le manège le plus prestigieux de l'armée, la vieille tradition française. Donc voilà, on est bien, quand on est dans la 3715, elle est climatisée, les écrans sont pour tout le monde. Hein. Et on a une réunion sur un boulot qui est compliqué, c'est la salle de consommation au monde au risque, la population de migrants, de la gare du Nord, ainsi de suite. Voilà. Et on fait venir les deux, trois personnes qui bossent dans cette salle. Ils arrivent chacun, ils ont donc deux canettes de Red Bull devant eux. Et ils passent la réunion à avaler leur canette de Red Bull, les autres étant tous, non, tout à fait équilibrés ou pas. Mais on est quelques-uns à dire, tu vois. C'est-à-dire que si on regardait leurs conditions de travail, ils nous montrent, à 9h du matin, ils sont déjà à s'envoyer des boissons stimulantes. Ils nous disent que c'est un boulot épuisant. Et d'une certaine façon, on va faire comme si on ne le voyait pas, parce qu'on serait bien emmerdé si on verrait ce boulot moins épuisant. Donc je pense qu'effectivement, et une part du travail qui peut être intéressant de faire, on en revient là-dessus, en termes de communauté, c'est avec les marges de manœuvre qu'on a, comment on peut faire des allers-retours entre ce qui est trop et ce qui peut être de l'adaptation. C'est clair que aujourd'hui, répondre à l'addiction dans le monde du travail, c'est pas uniquement travailler sur la personne, c'est travailler aussi sur les organisations du travail et faire remonter un certain nombre de questions à ce qu'est l'organisation du travail. Après, le débat parfois est compliqué parce que y a d'autres enjeux qui peuvent s'y opposer. Quel est le poids de l'environnement des déterminants socioculturels dans les addictions? Le poids de l'environnement dans certains lieux, il est terrible. Enfin, par exemple, le poids de l'environnement par rapport à l'alcoolisme, il reste terrible. L'alcool est présent partout. On peut l'acheter à des prix défiant toute concurrence. On nous vend toujours la culture œnologique, le bon vin, là. Mais voilà, aujourd'hui, là, il y a eu encore une saisie de la concurrence qui ont mis qu'ils ont fait rentrer des hectolitres de rosé de mauvaise qualité. Et vous avez accessible le plus possible le rosé pamplemousse, le rouge cerise, ainsi de suite, qui ont des quantités d'alcool conséquentes et des quantités de gustatives assez basses. Donc de ce côté-là, vous avez un environnement qui pousse, voilà, qui rend facile, qui fait que rien n'est dissuasif pour aller vers cette boisson. Donc voilà, il y a toujours un principe de base dans l'addiction que plus l'objet est accessible, plus il donnera lieu à un certain nombre d'abus. Après, vous avez des déterminants culturels, des déterminants familiaux, des déterminants sociaux qui vont jouer. On sait que l'appartenance à une classe sociale ne joue pas beaucoup. On sait que le chômage joue beaucoup moins qu'on le croit. On sait que voilà, un certain nombre de paramètres comme ça ne vont pas peser beaucoup. À l'inverse, ils vont peser beaucoup dans l'aide et dans l'accompagnement des conséquences de l'addiction. Je suis passé, je l'avais vu, je l'avais cité, je montrais les diapositives pendant des années. Et puis un jour, je l'ai fait l'expérience. Je suis passé du Val-Fouré, donc la jolie 70 et demi, plus de 60% du quartier au chômage, plus de temps de jeûne, ainsi de suite. Ah, hein, bon, le Val-Fouré dans toute sa splendeur,
à Boulogne-Billancourt, près de la piscine, entre la patinoire et la piscine, avec des CSSP. J'ai quand même un tiers de mes parents qui consultent, qui sont polytechniciens, centraliens, cordéliers, ainsi de suite. J'en ai quelques-uns, c'est le chauffeur qui avait, j'adore. Chauffeur des postes, monsieur Ouella, il avait recherché. Et un certain nombre des gamins que je vois sont accompagnés du coach éducatif. Juste aimé avoir un éducateur spécialisé pour 10 gamins avant que la jolie. Là, il y a un coach éducatif par gamin. Donc, à addiction égale, les conséquences ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de paramètres. Les paramètres culturels, encore une fois, l'exposition aux produits, c'est pas moi qui l'invente, on le sait, plus le produit est présent, plus il créera. Et ensuite, les paramètres de vulnérabilité personnelle sont des paramètres importants. Et les inégalités sociales de santé vont être un troisième niveau de lecture qui porteront moins sur l'entrée dans l'addiction. On rentre dans tous les niveaux. Il y a même sur la région parisienne, on a même tendance à dire que chez les jeunes, il y a plus d'addiction dans les banlieues chics, dans les banlieues riches à l'ouest, qu'il y en a à banlieue l'est, parce qu'il y a l'argent, hein, mais que les conséquences ne seront pas les mêmes. Les amortissements ne seront pas les mêmes. Sans compter dans les drogues illicites, les conséquences judiciaires. Un certain nombre de gamins que je vois qui sont interpellés à Boulogne n'ont pas de procédure de police. À Mantes-la-Jolie, à l'inverse, vous n'aviez aucune interpellation pour usage. On n'allait pas s'embêter, risquer de mettre le quartier à feu et à sang pour interpellation sur usage, mais vous n'aviez que des interpellations pour trafic. Vous avez comme ça un certain nombre de paramètres qui vont complexifier la lecture que l'on a des addictions, les chiffres que l'on a, il faut toujours les regarder avec un esprit critique. Moi, je m'amusais parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Quand j'étais sur les Yvelines, par exemple, c'était quand même étonnant. Il n'y avait aucune interpellation pour l'usage du cannabis à Mantes-la-Jolie, à Chanteloup-les-Yvelines et à Trappes. Voilà. Les trois banlieues les pires. Les seules interpellations pour usage, c'était Saint-Germain, Versailles et Rambouillet. Voilà. Mais dans les autres communes, il n'y avait plus de trafic. Voilà. Il y avait pas de... C'est pas aussi tranché que ça dans la vraie vie. Et vous voyez que le chiffre police, il indique ça au niveau des établissements scolaires, ainsi de suite. Donc on a tout un tas de paramètres qui vont démultiplier ce type d'observation et qui demandent, je vous renvoie, il y a vraiment un remarquable travail qui est fait avec l'OFDT, l'Office français des drogues et des toxicomanies, qui met maintenant tous ces chiffres à disposition. Vous avez des données aussi bien épidémiaux que sociaux. Je ne sais pas si vous regardez la publication qu'ils font, qui s'appelle Tendance. Donc vous avez sur ce site-là, avec des équipes qui font ça maintenant depuis 20 ans, si vous voulez un peu regarder, ils viennent de sortir, c'est un sujet un peu allé, ils viennent de sortir chez les jeunes une enquête qui s'appelle Arami sur les motivations de consommation chez les jeunes. Voilà, c'est quelque chose de passionnant à voir. Ils ont sorti des chiffres sur le monde du travail, ils ont sorti des chiffres port d'entrée produit. Voilà, vous avez là-dessus. Je ne donne plus jamais de diapositives avec des chiffres parce que franchement, aujourd'hui, avec Internet et avec le travail de l'OFDT et de Santé publique, c'est plus la peine de les donner. Eux, en plus, ils les actualisent au fur et à mesure que leurs nouvelles enquêtes sortent. Et vous avez du coup des données de qualité actualisées en direct et qui vous permettent d'aller très loin dans les détails. Et du coup, puisque cet environnement est déterminant, pourquoi est-ce que la prise en charge est majoritairement individuelle? Alors, c'est un problème culturel, je pense. Moi, c'est énorme parce que je viens de quitter la présidence, donc j'ai dû faire les discours, bilans, ainsi de suite. Et moi, je me suis beaucoup battu pour des histoires pour des approches groupales. Je me suis beaucoup battu pour des approches groupales. Alors, hiérarchisons la réponse. La première réponse, ce serait quand même au niveau de l'environnement favorable que l'on obtienne les lois collectives qui permettraient de protéger. Je pense que la bataille qui est menée actuellement pour le prix minimum de l'alcool, pour le prix du tabac, pour resserrer les lieux de vente, ça c'est du collectif, ça joue sur l'environnement, et c'est une façon de rendre l'environnement moins propice à la consommation. Et là, c'est des batailles un peu politiques, c'est pas des batailles thérapeutiques, mais il n'empêche que c'est des batailles importantes, parce que voilà, si le produit est vendu plus cher dans moins de lieux,
on n'est plus cohérent quand on dit c'est pas un produit de, ça ne devrait pas être un produit de consommation courant. Donc ce type de discussion ne devrait pas être abandonné. Deuxièmement, c'est vrai que notre culture française et notre culture européenne, mais particulièrement française, est une culture qui ne passe pas beaucoup par le groupe et la communauté, et qui passe beaucoup par l'individu. Voilà. Essayer de faire un groupe de parents dans les enfants consomment, c'est très compliqué. Il y a des approches validées, hein, il y a ce qu'on appelle des groupes multifamiliaux qui ont donné à l'étranger d'excellents résultats. Ça n'a pas... On a essayé, moi j'ai vu des collègues qui ont essayé de le déployer en France, ça n'a pas pris. Il y a un certain nombre de lieux de soins, d'hôpitaux, de XAPA, qui proposent des groupes, mais majoritairement c'est compliqué à faire cette démarche. Et ensuite, au niveau thérapeutique, on est sur une approche en France où on a beaucoup d'approches médicamenteuses, donc c'est plutôt une approche individuelle. Et au niveau des psychothérapies, les psychothérapies groupales, pareil, n'ont jamais pris. Il y a quelques dispositifs qui se sont montés, ce qu'on appelle des communautés thérapeutiques. Il y en a 13 en France. C'est le groupe qui est thérapeutique, mais il n'y en a que 13. Voilà. Et, à un moment, elles ont pas pris, parce qu'il y avait des phénomènes. C'est compliqué à bien gérer une communauté thérapeutique, pour pas qu'il y ait le phénomène sectaire un peu malsain. Mais oui, on sait qu'il y a il y a des approches thérapeutiques très intéressantes par le groupe, mais qui ont du mal à se mettre en place en France. Et de l'autre côté, les approches collectives publiques autour du prix se heurtent à les logiques économiques. Donc, des deux côtés du collectif, hein, du collectif environnement, construire un environnement favorable, et du côté thérapeutique, on n'est pas à la pointe. Ça, c'est évident. Est-ce que l'on peut toutefois sortir seul de l'addiction, et notamment lorsque l'on vit dans une zone dite exposée ? Heureusement, bien évidemment. Hein, chacun va. Après, je le redis, et pour l'avoir vécu professionnellement, c'est pas la même chose quand vous êtes dans une zone exposée. Il peut y avoir des difficultés que vous ne rencontrez pas ailleurs. Hein, les inégalités sociales de santé, c'est une réalité. Hein, donc, il n'y a pas de fatalité qui empêche quand on est dans un endroit. Moi, quand je travaillais à Nantes, heureusement, j'ai vu un certain nombre de jeunes adultes, adolescents ou de familles s'en sortir. Mais l'accès au travail, l'accès aux soins, les accompagnements du soin sont parfois plus durs à trouver. C'est des réalités sociales qu'on ne peut pas... Et on sait bien que les inégalités de santé, ça aussi c'est documenté, hein, que les inégalités sociales de santé pèsent, et dans le domaine des addictions particulièrement. Alors justement, quels sont les lieux adaptés pour une prise en charge des personnes addictes ? Alors, je vais peut-être choquer, mais ce que je voudrais dire un peu en conclusion, c'est que je suis de ceux qui se méfient de la procédure unique. C'est-à-dire que si vous avez entendu quelque chose, aujourd'hui les addictions, c'est des publics très différents. Rappelez-vous la diapositive, c'est des histoires très différentes. Ce n'est pas la même réponse qu'on va donner à un jeune adulte de 20-25 ans qui a son premier boulot, qui a encore la culture festive, qui risque de brancher la culture festive étudiante sur la culture festive de son entreprise. Voilà, hein. On ne donnera pas la même réponse à un jeune adulte qui a comme ça qu'à quelqu'un qui est sur un fond de psychotrauma parce qu'il porte une souffrance psychique importante et qu'il l'a anesthésié en prenant des produits, ou quelqu'un qui a 40 ans, dont 35 ans de consommation à peu près régulière d'alcool, parce qu'il a commencé à TH et que chez lui, on ne lui a jamais fait de remarque, et qu'il ne voit pas pourquoi il arrêterait, même s'il est en train de perdre le contrôle. Donc il faut accepter qu'on parle d'addiction, on parle de circuit de la dépendance, mais après, on a des trajectoires et on a des modes qui sont très différents. Et du coup, les personnes rentreront par des portes différentes et chemineront par des trajectoires différentes. C'est certainement une des choses sur lesquelles on a le plus progressé ces dernières années. Pendant très longtemps, on avait une sorte de système unique autour de l'abstinence, tu fais ça, tu fais ça. On a rajouté ce qu'on appelle l'approche motivationnelle et on a rajouté l'approche réduction des risques. Les personnes, pendant X mois,
on va les voir, non pas pour arrêter leur addiction, parce qu'elles ne veulent pas arrêter les addictions, mais on va rentrer en contact avec eux, y compris dans leur univers professionnel, en alliance thérapeutique avec eux, mais non pas au niveau de soigner l'addiction, mais au niveau de prendre soin d'eux-mêmes, dans une logique de réduction des risques. Et c'est parce qu'ils auront pris confiance en nous, et confiance en eux, parce qu'ils auront réussi cette première étape, qu'éventuellement ils se lanceront dans la deuxième étape quelques temps plus tard, en disant maintenant, je voudrais voir si je peux pas aller un peu plus loin et commencer à passer mon produit. Mais au départ, paradoxalement, parfois on va les accompagner dans la prise de produit, mais pour limiter les risques qu'ils prennent avec leur produit. Donc, tout ça, c'est des choses. S'il y a des addictologues qui voient de quoi je parle, s'il n'y a pas d'addictologues, vous voyez un peu moins, mais c'est l'intérêt d'aller rencontrer des professionnels et de dire je voudrais éventuellement aider telle ou telle personne. Et parfois, on va passer par un chemin un peu plus détourné parce qu'on va, une fois, l'accompagner dans une logique de réduction des risques avant de pouvoir l'accompagner dans une logique de changement du comportement addiction. C'est la fameuse histoire des salles de consommation en contre risque. Pour certaines personnes, si vous leur demandez tout de suite d'arrêter, ils disent ça c'est pas possible. Si vous leur proposez de le faire en se mettant moins en danger, ils disent ça pourquoi pas. Et quand ils commencent à se mettre moins en danger, ils peuvent commencer à imaginer une étape d'après qu'ils ne pouvaient pas imaginer au point de départ. Voilà. Et il y a comme ça un certain nombre d'outils différents. Je peux vous donner deux autres exemples. Un programme qu'on a avec des jeunes qui sont en errance, qui s'appelle Tapage, travail alternatif payé à la journée. Ça vous dit quelque chose, c'est un programme qu'on a fait venir du Canada. C'est ces jeunes, ce qu'on appelle les punks à chien, quand on invite, ah, c'est ceux qu'on n'aime pas trop, et certains sont sympas, mais punk plus chien, avant de leur trouver un endroit, c'est assez hard. Et en plus, ils n'aiment pas, comme ils disent, bah, moi, je suis rebelle, donc j'aime pas. Donc quand vous leur dites c'est bien, tu vas faire un sevrage, je vais trouver un lien à l'hôpital, ensuite tu vas aller travailler, ils vont regarder un monde. Prenez pas le rendez-vous pour demain, c'est pas la peine. Moi je pousse la caricature, mais voilà. Donc une partie du boulot avec eux a été de leur dire si tu veux demain tu vas à tel endroit, je te retrouve, et on peut aller bosser. Si tu bosses une heure, tu bosses une heure, si tu bosses deux heures, tu bosses deux heures. Si tu bosses une demi-journée, tu bosses une demi-journée. À la fin de la journée, tu vas à tel endroit, je te ramène. Tu as ton argent en liquide, si tu veux aller t'acheter tes bières, tes pétards et fumer, c'est pas mon problème. Tu as gagné ton argent, tu le fais. Donc, un certain nombre de ces jeunes qui sont dans cette attitude-là, c'est une sacrée surprise. Et ils le font. Ils viennent bosser et ils vont scruter. Et fumer. Ils ne reviennent pas le lendemain. Pas grave. Parce qu'ils vont venir 3-4 jours plus tard. Rebosser. Et à la fin du mois, on leur fait une feuille de salaire pour X heures. Mine de rien, c'est la première fois qu'ils ressortent avec une feuille de salaire. Et c'est la première fois qu'ils ont tenu une relation à peu près un mois, par éclipse, avec un éduc. Et ils sont très forts, hein, c'est un truc, si vous faites un peu de travail social, vous savez, quand vous leur dites rentre dans mon bureau parler, ils vont bien vous dire, que vous êtes en train de conduire la voiture dans les embouteillages programmés, c'est là qu'ils vont tout vous raconter. Mais c'est pas grave, c'est une partie du jeu. Quand vous avez réussi à les accompagner à un moment là-dessus, au bout d'un moment, ils vous disent on ne pourrait pas faire un peu plus, tu n'as pas un endroit où je pourrais loger. Ouais, mais si tu veux que je te loge, il faut que. Vous voyez, on va parfois rentrer par des portes détournées. Une autre porte très détournée qui est très citée en ce moment, c'est une expérience qu'on appelle le chez-soi d'abord, hein, où on prend des personnes qui sont dans une grande exclusion, on les met d'abord dans un logement, et c'est le logement qui va enclencher le processus de prise en charge. Voilà. Donc, ce sont quelques exemples extrêmes, et c'est pour montrer que le schéma, tu viens me demander d'être aidé pour arrêter, je vais faire un sevrage, ensuite tu me mets dans un lieu où tu vas consolider, ensuite tu vas retravailler, c'est un schéma qui continue, qui est intéressant, mais ça ne peut pas être le schéma pour tout le monde, et ça ne peut pas être le schéma unique, et on a appris à diversifier, y compris sans faire trop long pour ce leader, mais y compris quand on va vers ces personnes qui n'ont pas encore demandé à être aidées, hein, et qu'on va commencer presque à titiller, parce que nous on voit que les entreprises, elles ne le sont pas encore convaincues, donc on va devoir déployer ces outils un peu de la réduction des risques. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la personne qui a posé la question, mais ce sont ces stratégies-là qui sont les plus. Il n'y a pas un schéma unique, et donc du coup, certains vont commencer en médecine de ville, d'autres vont commencer dans ce qu'on appelle le système médico-social, EXAPA,
les CARUT, hein, les endroits où on fait la réduction des risques. D'autres ont commencé dans les consultations hospitalières. À l'hôpital, on a déployé un outil qui est très intéressant, qu'on appelle les équipes de liaison, hein, pour s'occuper de ces personnes qui passent à l'hôpital pour autre chose, et on va indirectement leur dire, puisque tu es à l'hôpital. Hein. Et de plus en plus, on a des équipes qui essaient d'intervenir, y compris dans les cafés, y compris dans les rassemblements festifs, pour les rencontrer, d'abord dans la réduction des risques, mais voilà, prendre contact avec eux, paradoxalement même, au moment où ils consomment, et ils sont le plus loin de vouloir arrêter. Ils sont le plus loin de vouloir arrêter. Et c'est des expériences qui sont tout à fait... c'est intéressant. Et si José vous troublez, à quelle heure il est, on peut prendre le risque, mais... Il y a encore quelques questions. Hein. Ouais, alors vas-y. Ouais. Alors, est-ce que le phénomène de burn-out est lié à un phénomène addictif? Moi, j'aurais tendance à dire non. Après, il y a ce qui a été évoqué, les personnes qui sont addictes du travail. Mais le burn-out ne se résume pas à un phénomène addictif. Finalement, qu'est-ce que l'on peut conseiller à l'entourage pour qui rencontrerait des personnes qui sont piégées par ces phénomènes d'addiction? De venir consulter. Vraiment, quand on est entourage, venez vous renseigner, venez réfléchir avec quelqu'un dont c'est le boulot, allez-y tranquille. Ça fait longtemps, la caricature, ils vont dire que c'est à cause de moi, ce n'est pas vrai. C'est pas aussi simple que ça de motiver quelqu'un à venir se faire soigner. Donc réfléchir à comment on peut provoquer ces premières étapes. Et pareil, si l'entourage, c'est un ami, un collègue, ainsi de suite, c'est pas aussi simple que ça de motiver quelqu'un qui ne l'a pas décidé. Donc préparer ça, y réfléchir. Les professionnels de l'addiction ont vraiment beaucoup travaillé ça, ils sont prêts et ils vont vous aider, ils sont là pour aider à dire on va tester ça, on va pouvoir vous faire ça, on va voir si ça me fait réagir. Et du coup, vous n'êtes pas seul. Si la personne sentait qu'elle est prête, c'est très bien. Mais quand on pose la question, souvent c'est qu'on sait que ça va être difficile et qu'on risque de provoquer l'inverse de ce qu'on veut. Donc c'est fait partie de toute une partie du travail de ce qui doit être fait par les addictologues aujourd'hui. Pour conclure, grande question. Le canapé, objet scientifique en addictologie? Oui, mais je suis sérieux. Le canapé est un endroit, alors le canapé face à l'écran, hein, ou le canapé où on se détend, ça reste un des points de passage classiques de l'addiction. Alors, j'avais un point de départ, c'est pour ça que je suis sensible au canapé. Moi, j'ai été formé par Philippe Jamais. Et Philippe Jamais, qui s'occupait de l'adolescent, disait « La phrase que vous ne devez jamais dire à l'adolescent qui est allongé sur le canapé, si vous êtes son père, c'est « Ta mère m'a demandé de t'arracher du canapé pour que tu viennes, hein, parce que d'un seul coup, vous annulez votre interpellation de père et vous dites « C'est ces salauds d'adultes qui les rendent. » Si vous voulez faire sortir l'adolescent du canapé, il fallait que Jamais disait « lui dire. T'as pas envie avec moi, on est tous les deux faire quelque chose pendant ta mère, faire autre chose. C'était daté d'une certaine époque, et maintenant le canapé reste l'objet. Quand vous discutez avec un certain nombre d'addicts, c'est vous vous asseyez, vous êtes en face de l'écran qui capte votre attention, et d'un seul coup, vous ne pensez plus à la bonne résolution que vous aviez prise de ne pas allumer votre cigarette ou de ne pas décapsuler votre canette de bière. Et dans un certain nombre de protocoles, on leur dit, ben tu vois, j'ai fait la blague à plein de mes patients, dimanche à 17h, tu ne te mets pas devant ton canapé pour regarder le match, tu restes debout, il faut qu'il y ait quelque chose qui te dérange et qui te rappelle. Le problème, c'est que ceux qui vont aller faire dans les fan zones, ils sont prêts à être debout, et ils sont rentrés dans la fan zone avec le bien. Mais c'est l'idée de dire, c'est toujours l'étape d'avant qui induit le comportement. Et si vous intervenez à l'étape d'avant, la pente est moins forte et c'est plus facile de dévier le comportement de la chaîne automatique qu'il va avoir. Si vous déclenchez la chaîne automatique, c'est beaucoup plus dur. Une fois que vous êtes posé dans le canapé, le réflexe de demander le truc après, vous allez demander le truc après là. Et une fois que vous êtes dans le canapé, que la canette est ouverte et que vous avez l'écran qui est allumé, ne pas la consommer. Et une fois que vous avez consommé la première, voilà. Donc ce type d'enchaînement. Donc un collègue canadien qui avait inversé le truc du canapé, je peux connaître l'anecdote, en disant au Canada on a supprimé les trottinettes parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant de la trottinette on prend le goût du vélo, on prend le goût du vélo, on prend le goût de la moto, on prend le goût de la métro, on prend le goût de la vitesse et on termine le jour aux urgences parce qu'on s'est fracassé contre un mur. Voilà. Donc intervenir au point de départ reste dans l'addiction
idéalement la meilleure solution. C'était idéal. Merci. Il est un privilège de clôturer cette après-midi de conférence et de symposium, séminaire sur ce sujet. J'ai deux choses à faire. La première, c'est de remercier encore une fois Jean-Pierre Coutron pour cette après-midi, c'est l'animation de cette après-midi, cette conférence. En sachant, je pense que vous avez donné un grand plaisir. Je pense que vous avez activé quelque part le circuit de la référence à un certain nombre d'entre nous qui vont peut-être devenir des dépendants à vos propos en allant lire vos ouvrages, mais qui, avec quoi, il y a des bons aspects de l'activation du circuit de la référence. La deuxième chose que j'ai à faire, c'est de rappeler que quelques engagements de la gouvernance, de mise en œuvre de consolidation de dispositifs déjà existants, on m'a demandé de faire cette déclaration, sur trois volets qui n'ont pas de hiérarchie. La première chose, bien sûr, c'est le volet de la prévention qui nous préoccupe tous. Ce que vous avez qualifié, M. Coutron, de prévention informative, mais pas uniquement, et vous utilisez le terme de prévention précoce quand vous terminez votre session de questions sur ce sujet. Donc une prévention qui ne fait pas qu'informer, mais qui accompagne et qui est destinée sur l'ensemble des personnels. Cette prévention de proximité, donc qui passe par l'identification des facteurs de risque, donc on a bien vu qu'un certain nombre, et j'ai été sidéré par les chiffres que vous avez donnés, générés par la réalité du travail. Deuxième volet qui est managérial, qui passe par une sensibilisation et une formation des encadrants, pour lequel le groupe Grasse, professeur de l'université, a déjà mis en œuvre un certain nombre de sessions d'information dans les composants, dans les services, n'est-ce pas, pour que les encadrants soient sensibilisés à cet aspect, à cette gestion de situation de risque professionnel, qui peuvent être liés, comme on le sait, à l'utilisation d'un certain nombre de substances, les psychoactives, l'alcool, etc. Et un dernier volet qui a déjà été évoqué, qui est l'aide et l'accompagnement auprès des personnels par un accueil, une orientation, un suivi des personnes en difficulté avec cette qualité de la psychologie. Tout ça, bien évidemment, dans le respect du secret professionnel et du secret médical et professionnel. Alors, je veux dire qu'à ce titre, à côté des personnels qui œuvrent dans ce domaine au quotidien et qui sont très impliqués dans cette mission, nous avons fait le constat au niveau de l'université d'un manque en psychologie du travail ou en psychologie du travail. Et qu'à ce titre-là, la présidence de notre établissement a bien pris en compte la mesure de ce manque dans les différents dispositifs dont l'établissement s'est doté. Et j'ai vérifié ce matin, pour auprès du directeur général des services, qu'il est bien prévu le recrutement d'un psychologue clinicien lors de la prochaine campagne d'emploi de l'établissement. En attendant ce recrutement et sous forme d'aide, on peut aussi rappeler que nous avons signé une convention avec la MGEN récemment. Et que dans le cadre de cette convention, que vous soyez ou pas affilié à la MGEN met à disposition trois consultations auprès d'un psychologue clinicien pour ceux qui estiment que ça peut les aider au quotidien. Je terminerai en disant que le groupe GRASP, qui est donc groupe réalité alcool et autres substances, alors je n'ai pas trouvé à quoi on faisait mention le P de GRASP. Pardon ? C'est le P de psycho. D'accord. Est un groupe ressource de l'Université Claude Bernard. Ça doit être une force de proposition d'action et d'accompagnement pour la mise en œuvre de cette politique dans ce domaine. On peut citer comme exemple, pour reprendre le propos de M. Coutron sur l'environnement favorable, le fait que c'est ce groupe qui a proposé une charte de gestion des événements festifs de l'établissement, pour de services, pour de thèses, etc., et qui donne un certain nombre de recommandations qui sont à respecter, bien sûr, et qui rentrent dans le cadre de cet environnement favorable. Donc, ce groupe CRASP organise d'ores et déjà dans les composantes des services, je l'ai déjà dit, des actions de sensibilisation auprès des encadrants et des personnels, afin de permettre des échanges, les difficultés rencontrées, établir un dialogue sur ce sujet complexe, qui est bien sûr un sujet encadré réglementairement. Donc je terminerai personnellement en insistant sur le fait que ce problème de l'addiction peut être rencontré par chacun d'entre nous pour la vie et professionnelle et personnelle, et que nous devons tous, chacun avec nos
nos niveaux de responsabilité, considérer que cette réalité est complexe, je crois que cet après-midi nous en a bien fait la démonstration, ne doit pas être occultée et abordée avec toute l'empathie qu'elle mérite. Je vous remercie et nous vous souhaitons pour votre présence, pour l'un de vos questions, et nous vous souhaitons tous, n'est-ce pas, une bonne fin d'après-midi.